Oui, c'est ça. Donc on s'était laissé dans ce fameux bivouac. On avait vu les sœurs, je crois. Je sais même plus ce qu'on doit faire. Je sais même plus où c'est qu'on doit aller. Je suis d'ores et déjà perdu. T'as pas avancé dans Arceus ? Non, j'ai pas eu le temps d'y jouer. On va pas se mentir que j'ai pas trop le temps, quoi. J'ai vraiment pas trop le temps. Il veut voir du Roselia. On a chopé du rose bouton. Par contre, on a récupéré un max de. On va essayer de choper un petit peu du bouton. Quoi, il m'a vu ? Arrête tes conneries, mec. Vous voulez voir un vrai sniper ? Bouge pas, hein. Alors attends. Oh. En vrai, je suis chaud. Un sniper, premier coup. Si je le capture pas d'un coup, je comprends pas. Un monstre. Voilà, c'était pour moi. C'est tout pour moi. On peut y aller. On peut tracer. Donc je crois qu'on doit retourner au village. Première tentative, hein, évidemment. Vous connaissez. Ouais, vas-y. Je suis toujours en discussion. Ah merde, j'ai pas changé. Non, vous avez raison, c'est un scandale. Attendez, je vais le faire. Je suis toujours en discussion. C'est catastrophique. Arceus. Pokémon Légende Arceus. Voilà. Et hop, si vous voulez modifier le titre. Oh, bah c'est bon, c'est fait. Bon, excusez-moi. J'ai douté de Casu. J'ai douté une seconde de Casu et il m'a rappelé à l'ordre très très vite. Mais quelle personne formidable. Donc, allons voir au Village People. Si on n'est pas bon, on avait remis la plaquette aussi. Enfin bref, on avait fait tout ce qu'il y avait à faire. De ce côté-là, bravo, GG à lui pour Fantomius. Est-ce qu'on passerait pas à la troisième étoile en vrai, avant de se barrer? Que veux-tu faire maintenant? Je vais continuer, Rochelle. En vrai, je vais essayer de passer à la troisième étoile avant. Comme ça, on est bien. C'est vrai qu'on peut le faire. Vous avez pu voir que je suis un excellent sniper. Donc ça peut être très cool. Ok. Oh, il a... Ça marche pas. J'ai un peu forcé. Non, un caillou. Je crois que j'ai le meilleur endroit pour me battre. À l'attaque. Petit trou éclair en style puissant. Je viens d'y penser, mais c'est ce mois-ci le retour du FC Sini. On sait pas, les gars. On sait pas en fait, parce que. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont pas là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui préparent la Zilan. C'est extrêmement complexe. Non, ça faut le savoir, c'est très compliqué. On ne sait pas, on ne sait plus. On ne sait plus où c'est qu'on va. On a eu un petit up de la conversation, il n'y a pas. Ah, il m'a vu. Putain, il me voit de loin. On a eu un petit up de la conversation il n'y a pas longtemps. DFG qui disait j'ai tellement envie de jouer avec mes amis. Mais tout le monde, hein! Enfin, tout le monde. 99% de l'effectif a envie de jouer. Sauf que c'est un petit peu complexe. On va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a cette Zilan, quoi. Cette Zilan qui arrive à point nommé entre les deux. Il y en a quand même pas mal qui vont la faire, donc un peu complexe. Bon, on a fumé. Je vais plutôt essayer d'aller capturer les gars. Oh là. Ok. C'est bon. C'est pour moi. C'est le cadeau. On a un paras à récupérer ici aussi. Ok, parfait. Il est à moi. On n'en parle plus. Alors, je me suis loupé. Ça arrive. On a oublié de sauter. Balance le 0,1%. Bah, je pense que Ponce ne veut plus jouer, quoi. Donc, c'est aussi une surprise pour personne. Hein. Non, abusé. Pensez que c'est Ponce. Oh, arrête tes conneries, il m'a vu, là. Ouais, compréhensible. Évidemment. Donc, à voir. J'avoue que moi, ça me manque un petit peu, quand même, hein, d'aller taper le ballon. D'aller taper le ballon avec les frérots. C'est toujours un excellent moment. C'est bon, j'ai. Non. Attends, j'ai. Voilà. Je sais pas pourquoi j'essaye depuis le début d'aller aussi loin. C'est capturé aussi. Spécimen attrapé. 3 sur toi. On est pas mal. Hein. Attends, il est dans l'eau. Il est peinard. Je vais aller le récupérer aussi. Un petit rose bouton. Ok. Et là. C'est parfait.
Là, je pense qu'on est on est sur du 3 étoiles. Hein. Les noix grumes pour les bols. J'en ai beaucoup. Attends, d'ailleurs, je peux en créer, je crois. Tu as raison. Les noix grumes, je crois qu'on en a un petit peu. On a 54. C'est pas énorme, mais c'est correct. Oui, pour faire après ça, ça. Pour faire des masses bols. On a des galets noirs. Je vais en faire 20. C'est parfait. Et un petit peu de Pokéball. Histoire de... Ça va, en vrai. Mais il faut que j'en farme un peu plus. Vous avez raison. Là, on est bien. Je vais aller voir le professeur. Il va me régaler. Et on rentre au bercail. Yes, j'ai capturé 5 Pokémon Go. Ah, ça suffit. Ça suffit pour passer 3 étoiles, je pense. Ouais, ouais. Vas-y, merci. Bon. Superbe. Oh, ça suffit pas totalement. Ça suffit pas. Apparemment, ça ne suffit pas totalement. Je suis peut-être un peu un branleur, quoi. Ok, on va s'arrêter. On va l'en récupérer. Je pense qu'on a le temps. Non, mais Loan n'était pas du tout catastrophique. Un Loan en légende, ça nous régale plus que régale. Il est très bon, Loan. Il y a même qu'il était excellent. Il était ahurissant. On va récupérer. C'est pas trop faire de bruit, est-ce qu'on a un autre là ici? Oh, c'est Kata. Il m'a vu, frère! T'abuses? On a plus XP. Merci, Sarod, merci beaucoup pour le Prime. Je te trouve vraiment bien roulé, tu vas te tourner 5 minutes? Je sais pas si je vais faire la fin. Vu comme tu me le demandes, t'as vu comme tu me parles, mec? Tu n'as pas honte? Je sais que je suis bien roulé, mais enfin bon, il y a des manières de demander quoi. Mais bon, bref, à l'éviter. Oh la merde. Oh, fais chier. Vas-y, ils me font chier les paras. Il n'y a pas autre chose à capturer ici, des trucs un peu plus stylés. En plus c'est nouveau, donc ça va me filer un peu plus de progression, je pense. Par contre il bougeait vraiment pas. Quand je me suis fait chier pour rien, j'ai loupé deux fois. Alors qu'il y avait rien d'extraordinaire à faire hein. Je devais juste le récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des champis, on peut les... Ah ouais, des carapaces champis, j'en ai jamais vu. Oh, vas-y on trace. Je suis pas... Comment ça? T'es pas en full screen? Ah, on parlait de moi au cage en catastrophique, pas de Loan. Ah, je vous trouve très dur aussi. J'avais été monstrueux au cas. J'avais été. Les gars, est-ce que vous vous souvenez que j'ai fait quand même un passage au cage et j'étais vraiment pas dégueu hein. Je vous trouve très très dur avec moi encore une fois. Mais bon, ça me toujours me chier dessus quoi. Mais bon, bref, un méditer. On l'a pas eu. Voilà. Mon écran n'est pas étiré à fond. Ah bon? Ah ouais. Ah non, mais ça c'est le truc de la suite. D'accord, ok, je vois ça. Ouais. Attendez, je vais voir. Transformer. Non. C'est le format de la suite de ces morts qui fait ça. Je vois, c'est vrai. Le péno était magique. Bah après, ça m'est pas arrivé. Je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que ça arrivait aussi à Ponce, et c'est un bug connu où ton perso marche devant et tu fais rien du tout. Donc non, je trouve encore une fois très très dur avec toi. Bon bref. Vous êtes des enculés, bon bref. Non, j'étais monstrueux. Ah le FC6000, il manque à beaucoup de gens, hein, je sais. Hein. Enfin nous les premiers. C'est juste qu'il faut qu'on trouve le temps. D'ailleurs, j'ai eu en parlant de FC Silmi, vous savez que dans mes donation goals du The Event, j'avais, je ne sais plus à combien, je crois que c'était 40 000, un truc comme ça. J'emmène le FC Silmi à Europa Park et on va s'éclater la gueule et tout ça, quoi. Et du coup, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai eu un call avec un responsable d'Europa Park. Et du coup, c'est validé.
Il faut qu'on trouve une date pour y aller, quoi. Et donc, on va y se faire ça. Et il me proposait de faire Rulantica aussi, en plus. Donc, ça va être encore mieux, parce que Rulantica, c'est une giga dinguerie. D'ailleurs, j'y vais, là, Rulantica, j'y vais le week-end prochain. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Et, et du coup, on doit trouver une date. Je pense qu'on va se faire ça en mai. Et je vais tout filmer, évidemment. Je vais essayer de faire un petit live sur place aussi, qui pourrait être excellent, quoi. Alors en live sur place, ce serait plus un live. À un moment, on va se poser, on boit un coup, on parle avec les gens, enfin un truc un peu détente, je pense. On verra si c'est faisable, mais sinon, ce sera du full vlog, bien évidemment, puisque vous le savez, c'est compliqué de pouvoir faire un live en direct d'un parc d'attractions. En tout cas, dans les attractions, c'est Dead by Daylight. Donc voilà. Ah, on a vraiment de la bonne brume, la bonne brume épaisse. Je continue d'avancer. Superbe, superbe ce que tu me fais. Là j'étais monstrueux par contre. Ok. Oh là, il y a du Onyx et tout là. Je savais pas. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Je pète un plomb. Désolé. Petit bruit de bouton. En vrai c'est parfait. On va aller se la donner un petit peu. Ouais. Et franchement, ça va être une dinguerie. J'ai vraiment hâte. Sachant que moi, ce que j'ai le plus hâte, j'ai trop hâte de mettre PA dans le Silver Star, quoi. Bon, parce que vous savez, Silver Star, c'est mignon. C'est une bonne entrée en matière d'hypercoaster, on va dire. Parce que c'est de l'hypercoaster. C'est vrai que c'est de l'hypercoaster. Mais c'est pas le plus insane. Mais je sais que PA il se chie dessus, donc pour moi ça va être quelque chose d'assez dingus, quoi. Ça n'a aucun effet, il dit quoi mon frère? C'est quoi, on va prendre les tours Raptor. On va envoyer tour Raptor, on va voir si je peux. Il est poison ténèbres, ouais, je suis en bout. Je croyais qu'il était que poison. Je croyais qu'il était poison normal, pour être très honnête avec vous. Un petit aéropic en puissance, il écoute un jour. Ah bah voilà, superbe. On va commencer à frapper les mecs. Oh la vache, oh la vache. Oh la vache. On a ce petit aéropic et on l'avait en top. Donc ouais, je vous avoue que j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'aller me faire Europa Park avec l'équipe, le FC Silmi sur place. Faut que j'envoie juste tous les noms, mec. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, comme un con. Et voilà. Et oui, et j'y vais, et j'y retourne. J'y vais pour l'anniversaire d'un ami, là. Voilà. Ça va être très cool. Oh non, il sort. Il laisse exploser sa colère. Non, arrêtez quand même. Arrêtez quand même. Merci, Pat Carbo. Merci beaucoup pour le deuxième mois. La première fois que je claque un abonnement. Mais merci, mec. Le cœur sur la main. Merci beaucoup. Et merci à Moscou aussi, juste avant. J'avais pas vu pour ton 14e mois. Merci beaucoup. Ah, la cam, on voit pas la vie. C'est vrai, j'avais oublié que à chaque fois, je dois me décaler. C'est vrai. Hop, je suis là. Bougez pas. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi ma... Pourquoi c'est décalé comme ça? Attendez. Je vais aller vérifier dans les paramètres. Parce que moi, sur la télé, c'est nickel. Mais vous? Vous avez un truc un peu chelou, là. Paramètres de la console. Non, j'ai très bien. Notification, manette, capteur, sortie TV. Résolution du téléviseur. Je vais mettre 480p, non. 1080, ajuster la taille de l'écran. Ouais, parce que moi, si je vais... Pour vous, si je vais à 100... Ah, oui, d'accord. Moi, comme je suis sur une télé 4K, je dois être à 96%. Mais pour vous, ça vous décale, effectivement. Effectivement. Effectivement, en fait, c'est la faute de ma télé. C'est pas ma capture. C'est qu'en fait, moi,
pour que ce soit nickel, il faut que je sois à 96%. Mais du coup, si je me mets à 96% sur la capture, ça réduit un petit peu. Et c'est pour ça que vous avez ça. D'accord. Bon, après, est-ce que c'est dramatique? Est-ce que vous vous en sortez ou pas? Je pense que vous vous en sortez. Mais effectivement, c'est très bien. J'avais jamais remarqué. Il va falloir virer cette télé pour qu'elle finisse au salon. Non, mais non, on a plus grand dans le salon. Pourquoi je ferais ça? Quand même, quand même quelqu'un de sérieux. Je vois qu'il y a un bel Onyx. Oh, arrête! Putain, tu me vois de là, toi, menteur. Menteur. M-A-N-T-H-E-U-R-E. Ok, c'est pour moi. On a un petit Onyx qui est capturé. Évidemment. Je vais passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Merde! J'ai jeté une Pokéball pour rien. Ok. Je check un peu. Oh. Les fameux hippopos, ils sont là, les gars. Donc là, on peut les choper. Ah non, par contre, tu vas chier. Est-ce qu'ils sont agressifs ou pas? Pourquoi j'y vais à la Super Bowl? Ça va économiser. Oh, il va sortir. Non, c'est bon. Sorry, bro. Enfin, enfin, je me fais agresser. Il y a beaucoup trop de monde ici. C'est le bordel. Le bordel, j'ai le droit. Oh, il y a un Pokémon ici. On va aller voir ce qu'il y a. Ça doit être terre. On va envoyer Castorne. Un Gravalanche. C'était sûr et certain. Par contre, comment on a... C'est le combat le plus proche de tous les temps. Hein. Un petit peu de respect à avoir. Ah, style puissant. Et il a décidé de partir. Il a décidé quand même de se décaler. C'était un vrai face to face. Hein. Oh, on va regarder. Ah, c'était à deux doigts de se faire un bisou. On a donné l'envie d'aller dans les parcs d'attractions. Mais il faut aller dans les parcs d'attractions. Il faut aller se régaler. Il faut aller faire du bon plaisir là. Regardez, moi je fais tout ça avec Kazu. Kazu qui se régale. Vous dire que Kazu là, on va aux États-Unis pour le boulot, pour Universal et pour Six Flags, ainsi que regarder un match NBA. Mais c'est le travail avant tout, qu'est-ce que vous voulez? Il me le disait encore il n'y a pas longtemps. Kazu me dit: oh là là, Gigi, et boulot, hein, j'en peux plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est chaud le boulot. C'était ses mots, hein, c'était ses mots. Casser la gueule. J'ai pas signé pour ça, moi. Je m'en vais, mais je me fais laver. On va rentrer au bercail. On s'en va, les gars, on s'en va. Ah, d'ailleurs, j'ai sauté alors que je pouvais juste le péter normalement. Ici. Tu as déjà fait au Japon? T'en as déjà fait au Japon, pardon. Des parcs, non. J'en ai fait aucun au Japon. Parce que à ce moment-là, je n'étais pas. J'étais pas encore à fond sur les parcs. Et puis j'ai jamais eu l'occasion, c'est vrai, j'y suis en plus une paire de fois, hein, au Japon, à Tokyo. J'aimerais vraiment faire c'est Tokyo Disney Sea, Tokyo Disney, évidemment Tokyo Disneyland. J'aimerais faire Fuji Q, j'aimerais faire Universal qu'ils ont aussi là-bas au Osaka. Donc voilà quoi, je lui échange mon taf à la poste quand il veut. Non mais Kazu n'en pouvait plus. Le travail avant tout, les amis. Quel enculé. C'est boulot ici, mec. Que du boulot. Ok, là j'ai ma troisième étoile. Je t'en prie, je t'en supplie. Alors. Voilà. Donc là on discute. Un petit rang supérieur. Exactement, c'est ce qu'on va aller faire. Eh bien, je vais retourner au village. Tu regrettes pas mon poste d'adjoint chez Lidl? C'est vrai que faut savoir que j'ai quand même volé à Lidl, j'ai volé Kazu quoi. Hein? Ah, il pouvait pas s'aligner. Kazu, je lui ai dit, ça te dirait de travailler genre avec moi et pour moi? Et il est en mode, mais mec, c'est chaud. Genre, tu me demandes vraiment de quitter mon taf à Lidl? J'ai dit, ouais, mais. Pff, imagine, un jour on fera un parc et tout. Et là, il m'a dit, laisse-moi y réfléchir. Mais il n'est plus adjoint. Il a perdu ce titre. Je pense que c'est dur pour lui.
Ils étaient au BDR, ouais. Après, bon, il fallait s'aligner, quoi. Est-ce que Lidl te permet d'aller voir un match NBA et d'aller à Six Flags plus, plus Universal? Je ne crois pas, mec. Est-ce qu'il te permet d'aller, d'aller faire le Conda à Walibi Belgique? Je pense pas. C'est un régal. Oh, je peux à présent utiliser Super Ball? Nice, super en tout cas. De plus, ces Pokémon jusqu'au niveau 40 vous obéiront. Vous recevez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Bien superbe. Allez, on peut faire les Super Balls. Voilà, donc maintenant, je peux vous dire, on oublie les Pokéballs. Ça dégage. On n'a rien d'autre à voir ici, non? On va peut-être aller, aller booster un petit peu tout ça. Comment on fait pour devenir adjoint? Ah, comme il a dit, faut dormir dans le même lit que moi. Il m'a menacé dans un lit, quoi. Qu'est-ce qu'on a, monsieur? C'est jeune homme, tu veux tenter ta chance au vise et tir. C'est un jeu où il faut lancer des Pokéballs pour éclater des ballons. Je suis trop chaud. Il faut faire plus de 10 000 points, tu auras un prix très spécial. D'accord, bah je suis chaud. Ça marche. Moi, tout ce qui est visé et tiré, c'est un peu ma spé, quoi, si tu veux. Qui en a des quêtes annexes? Qu'est-ce qu'ils ont là, les quêtes annexes? Je vais y aller. Par contre, avant, on va aller faire un petit point de Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pâturage 1, pâturage 2. C'est vrai qu'on a Moufouette, on a Mouflair. Le 35 Mouflair qui régale. On a Hippopotas, qu'on ne devrait pas le prendre à un moment d'ailleurs, je crois, pour une quête, je me souviens. Et on a du Fantominus. Fantominus qu'on peut aller chercher niveau 19. Stade de base, ça dit quoi? Mais vu qu'on peut tout monter, on s'en branle en fait, je suis con. Qui c'est? Putain, est-ce que Castorno? Mais c'est mon seul Pokémon haut. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon Fantominus pour en faire un ectoplasma à la fin qui soit à son prime. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu long. En fait, je vais pas trop toucher cette équipe. Je pense que je vais la laisser comme ça pour l'instant. Je vais la laisser... Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. C'est bon, on a récupéré tout le monde. On est revenu au village. On peut rebouger. Attends d'avoir Léviator. Ouais, mais... C'est vrai que là, Castorno, je ne vois pas le gicler maintenant. Surtout qu'il a une attaque glace qui est pas dégueu. Par contre, ah merde, on peut pas utiliser la monture. Je serais bien allé checker ce qu'il y a au fond. À savoir s'il y a d'autres dresseurs à affronter. Déjà, ça peut être cool. Et surtout, si j'ai pas des petites capacités à les récupérer sur certains Pokémon. Il y a une quête ici. Est-ce qu'il nous veut, lui ? Ok. D'accord. Merci mec. Des poupées Pokéfi. Trois morceaux de bois. Je peux la faire en plus. D'accord. Eh ben super. Eh bien yes, merci à toi. Super en tout cas, merci, ouais. Voilà, super, on s'en bat les couilles. Alors. Qu'est-ce que tu me dis, Bélila? Je vois que tu es monté en rang, je peux donc enseigner de nouvelles capacités à des Pokémon si tu souhaites. Ouais, mais complètement. Ça m'intéresse, ouais. Apprendre une capacité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, Florisson, est-ce qu'il a des trucs? Je le sélectionne. Éclat Rock, Aéropic, Repos, que de faire. Que des bangers. Que des trucs qui m'intéressent pas. Luxion, on avait appris Cro Éclair. Donc, waouh, il y a Cro Givre aussi qui peut faire le taf. Rayon chargé. 50 de puissance. Après bon, il est plus sur le physique, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je dirais là-dessus Castorno, Gravalanche. Est-ce que Gravalanche il peut aller chercher de la dingue ou pas? On a déjà séisme. Un petit Telluriforce. Mais pareil, c'est du spé quoi. C'est pas une scène. Oh, gros skelette, comment il va? Merci pour le 7ème mois. Le secret de l'amitié, c'est du couscous à partager avant tout. Et peut-être du couscous garbite. exactement. Et merci Lydis aussi pour le 10ème mois. J'avais pas fait attention, merci beaucoup. Point éclair sur Gravalanche, ça me semble un peu foufou. Non, bah non. Alors, Kadabra, on lui avait pris triple attaque, je crois. Ouais, triple attaque, il a déjà apprise. On a point... Waouh, mollo, l'artichaut. Balle ombre. Écosphère, rayon chargé. Putain, il en a des trucs... En vrai, est-ce que ça vaut pas le... Attends, on a une attaque, on a du normal. Il est où, le man? On a psy... Est-ce que téléport, ça sert dans cette... La vraie question, c'est est-ce que téléport, ouais, ça sert à quelque chose dans cette version? Ou pas du tout?
Parce que là, je suis en train de réfléchir. Vu qu'on peut ouvrir la map et se TP comme on veut, pas trop d'intérêt à garder téléport, on est d'accord? Est-ce que ce serait pas. Ouais, absolument pas. Est-ce que c'est pas intéressant peut-être de lui apprendre quelque chose qui peut sortir de mauvais pas? Vous voyez, comme face à Mouflair, tout à l'heure, je me suis retrouvé, entre guillemets, baisé. Ça peut être sympa. Il tape sur le spé, donc du spé, un petit, même si ça se tape pas, tu vois, un petit ballon ombre, un petit truc intéressant. Attends, je check. Qu'est-ce qu'on a ici? Queue de fer, une queue de fer. C'est physique, 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 physique. Après, c'est full physique. En repos, on s'en branle. Ouais, une des trois dernières, en vrai. Une des trois dernières. Écosphère aussi. Ça fait quoi, Écosphère utilisé pour la nature pour attaquer l'ennemi possible? C'est la puissance défensive. Puissance défensive. Très bien. Et éclat magique. Après, c'est du fait. Ouais, je prendrai Ballombre ou Écosphère. Je prends Ballombre. Vous savez quoi? Je vais lui apprendre. Oui. Juste GG, mec. Voilà. Changer des objets, maîtriser une capacité, c'est bon. Demander des infos. Ok. Donc là, on est good. On va quand même lui apprendre. Hein. On peut me faire baiser. Alors, gestion des capacités. Donc on a coup psycho, choc mental, téléport, téléport. On s'en fout. Et on va changer avec Ballombre. Ouais. Et on va valider. Ouais, ça me convient. Ça, c'est vraiment le meilleur bail de tous les temps, hein, je vous le dis. Hein. Dans Pokémon, s'ils pouvaient garder ça ad vitam aeternam, ou que tu puisses vraiment changer à tout instant les capacités de tes Pokémon, ça me régale. Fait pour Coverage Ténèbres. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu. C'est vrai qu'on aurait pu. Après, on a mis du Spectre. Mais c'est vrai que Spectre, ça se fait baiser aussi. Repartons. Ah, merci, hein, merci de me dire de faire attention. Et je crois qu'on doit repartir ici. On va aller faire la poupée Pokéchi. Il y a d'autres quêtes. On va continuer de monter le Pokédex tranquillement. Regarde les autres Pokémon aussi, une nouvelle attaque. J'ai regardé tout le monde. Non, j'ai pas regardé. Enfin, je crois que j'ai loupé Tauraptor et Castorno très certainement. Mais bon, est-ce que c'était les plus importants? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on branle ici? Si on est au bon, on est du bon côté. Je pense qu'on va aller faire des Pokéballs avant tout. Parce que, ah ouais, putain, on n'a pas grand-chose. Hein. Super Ball, on va faire la max en Super Ball. Super Ball. Ah, il faut du fer aussi. Ouais, tu sais quoi, je prends la max. La max, c'est 35. Eh ben, tu sais quoi, on part sur 35. Ça me semble superbe ce que tu es en train de faire. Et la fameuse poupée. J'en confectionne une. Comme ça, je suis tranquille. J'aurai besoin de rien. Est-ce que je peux aller foutre ça là-dedans? Bien sûr que oui. Alors attends, on a quoi? De la potion, de la super potion. Tout ça, j'en ai pas besoin. Tout ça, j'en ai pas besoin du tout. Déplacer, ouais, c'est ça. Ça, je vais en garder, je vais en garder. Ça, boule de boue. Oh, quoique. Ça sert à un truc particulier, boule de boue ou pas? J'ai même pas fait gaffe. Ça doit être pour les appâter ou quoi, un bout de boue qui durcit. Lancer sur un Pokémon pour ralentir ses mouvements, voire le rendre vulnérable. Ouais, pourquoi pas. Vas-y, on va le garder. On va essayer d'aller se faire quelques barons. Tu vois, dans la joie et la bonne humeur. Histoire de. Bah, elle est où? Bah, c'est quoi? Ah non, c'est de la poussière étoile, je suis un con. Je croyais que c'était un truc pour les EV. Pas du tout. Rien à voir. En vrai, c'est utile. Ouais, ça stun. Okay. Bon, bah, on va partir de l'autre côté. Ici, honnêtement, il n'y a pas de Pokémon qui me fait, si je puis me permettre, hein, qui me fait bander. Donc, on va bouger. Par contre, il faut que je prenne des matériaux. Je me rends compte que je passe devant beaucoup de matériaux et je m'en branle un petit peu. Voilà. Là, on est bien. What the fuck, c'est un boule de nœud? Mais c'est forcément un boule de nœud, genre Enervax, quoi. Ouais, je pense que c'est un baron. Ok. Ah putain. Et chier.
Vous m'avez dit qu'en plus c'était possible de les capturer avec cette méthode-là. Donc j'ai vraiment envie de tenter le move, quoi. On va rester avec une baie au rang. Ok. Putain, c'est tellement dur! C'est tellement dur! Il m'a vu? Mais comment tu me vois? Bon, par contre, là on va quand même être très honnête. Il me voit par l'opération du Saint-Esprit parce que frérot, tu es cringe. C'est quand même très bien. On a de la noix grume. C'est un forceur un peu. Vous m'avez dit que c'était possible de capturer un baron de cette méthode là, mais je n'y arrive pas. Il doit y avoir un taux de probabilité qui doit être très bas. Sachant que la Mass Ball c'est la meilleure Pokéball. Enfin, c'est la meilleure balle à utiliser, quoi. Je comprends pas pourquoi. Ah, un appât spécial peut augmenter peut-être les chances de capturer un baron. Bah tu veux me dire qu'il me voit? Non. En fonction du nombre de tes étoiles, certains tu pourras pas. Ah moi on m'avait dit le contraire, on m'a dit franchement c'est full possible. Là j'ai 3 étoiles. Ça vous semble improbable sur cette zone là de pouvoir capturer un baron C'est à l'hyperbole hein mais... C'est pareil hein. Non, ça passe, ok. Ah oui, c'est vrai qu'avec ZL, j'ai l'icône, vous avez complètement raison. C'est vrai que j'ai pas testé. Attendez, on va voir. Ah, si, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Si, si, ça passe, ça le mettait en jaune. Giga ou Mega Mass Ball. J'en ai plus des Mega Mass Ball. Je les ai toutes utilisées sur un Ronflex et j'ai jamais récupéré. Mais après une Mass Ball de base, ça reste correct, il me semble. Voilà, il commence à avoir du vent. Oh, vous avez vu, il y a un petit feu follet que je peux aller récupérer. Enfin, pas un feu follet, mais une flamme là, de la quête. Je vais capter. Ok. Non, ça passe pas encore. Je me demande si j'ai le droit au bonheur en fait. Il pourra pas le contrôler, il peut que l'attraper. Ouais, mais j'aimerais bien l'attraper quoi. J'aimerais bien l'attraper comme ça. Je vais réussir. Allez. Je vais réussir. Avec tout ce que je lui donne à bouffer, ce connard. Intérêt à me. Hein, me bouffer le chibrax. Mais il sort de suite! Un chien. Laisse-moi respirer un petit peu, non? Les copains! T'as pas faim? Pourquoi ça me met impossible? Ah ouais, d'accord. Donc en gros, avec la Mass Ball, s'il n'est pas en train de bouffer, c'est impossible de l'attraper. Donc en fait, il faut à tout prix ça. Est-ce que si je lui envoie une boule de boue en plus qu'il est en train de manger, c'est possible? Ou je peux aller me faire foutre aussi? Non, en fait, c'est uniquement via la baie, quoi. If, pas de baie, alors... Voyez, voilà, il faut qu'il mange. Ah, mais putain, au moment où je le fais... Là, vous voyez, impossible, impossible, impossible. Je le suis, et dès qu'il mange, là, je peux.
Bah, bizarrement, au moment où je lance, ça me met impossible. Bon, ouais. Oh, c'est impossible, frère. Bay Hyperball, ça reste le mieux, je pense. Bah, je sais pas si c'est le visuel. C'est au moment où je lance, ça passe au rouge. C'est pas normal, non? Regardez. Je vais essayer avec une Hyperball pour voir. Donc là, le visuel me dit que c'est impossible. Là, c'est au moment où je lance, ça passe au rouge. Au moment où je lance. Peu importe le timing. Bah, c'est que je peux pas en fait, je pense. Ça le fait tout le temps, t'inquiète, c'est normal, ok. Donc ça vient du jeu quoi, c'est pas genre je peux pas. Oh merde, oh bah j'ai un peu abusé. Oh, on s'en va, on s'en va. Au revoir, au revoir. Bonsoir. Je pense qu'on peut pas l'avoir. Quoi. C'est avec un autre baron, ouais, attends. Bonsoir. Oh, il me touche. On a perdu tellement de bol dessus, ça me dégoûte et en même temps, bah, c'est en essayant que... C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, comme disent les jeunes. À tout ce côté là-bas, on a du Fantominus en veux-tu en voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça ici? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du Rizélé, Rutabaga? Oh, c'est la totale. Eh ouais mec, si je te fais une balle ombre, tu fais quoi mec? Je te baise. Je t'ai bien eu. Sinon tu lances le combat, tu le paralyses ou l'endors et voilà. Ouais mais j'ai pas... Je vais pas compter sur ça parce que personne ne le tiendra sur le combat actuellement sur mes Pokémon. Si je lance le combat, ils vont se faire laver mais bien comme il faut quoi. Oh, un petit Chenity, juste bébou. Juste un petit bébou, on va lui mettre une triple attaque. Je pense que ça me tue malheureusement. On l'aurait récupéré. Par contre, on est en giga tempête là. Ok, on a quoi? On a de la full flotte de ce côté. Oh, mais on va essayer d'en trouver d'autres, hein. Tant pis. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les barons qu'on va rencontrer là, ils sont vraiment quand même très haut level sur les zones sur lesquelles on est affecté maintenant. Donc, ça risque d'être un peu complexe. Pourquoi celle-là elle ne brille pas du coup? Il y avait une particularité, feuille ronde, soignons. Est-ce qu'il y avait une particularité sur celle que je viens de péter ou pas? Baron minimum level 40, ouais, donc ça va être long dans tous les cas, quoi. Un Tradopo. Oula. Avec du monde, putain, je les vois pas, en plus ils sont dans l'eau, les cons. Une avalanche là-bas. Je pense que je l'ai. Non, il sort. J'ai vu par qui là? Ah mais putain, il est toujours là-bas lui. Ok, ça va. On s'en va. J'ai envie de me la donner. Monsieur, il faut vraiment... Monsieur, il faut sauter. C'est terrible. Qu'est-ce que... Monsieur? Il y a un moment, on saute quoi, frère! Pas si haut, non? L'abus est total, mais. Un petit sac de nœuds. Est-ce qu'on est sur du sac de nœuds agressif ou pas? Pas l'impression. Hein. Une distorsion spatio-temporelle semble sur le point de s'ouvrir. Où ça? C'est quoi ce bordel? Oh non, ils sont agressifs. Reviens! Ok. La quête du Ponyta, est-ce que je l'ai récupéré? Je me souviens plus. C'est sûrement. J'ai déjà dû la faire. Merci Asgeger. Au fait frérot, après t'avoir partagé sur Insta que j'avais claqué mon séjour Disney, là je fais le nécessaire pour aller à LA en juillet pour faire celui des US. Putain, tu vas te régaler. Celui des US a l'air... Enfin, celui d'LA a l'air très cool. Mais j'avoue, moi j'aurais une préférence, même si j'en ai fait aucun des deux, mais à vouloir aller tester celui de... Oh, le Spectrum qui est déjà là-bas. Celui d'Orlando en Floride. Qui a l'air full insane aussi. On a ça. Bon, c'est que des Pokémon agressifs ici. Hein. C'est vraiment
pas le droit à l'erreur. Va la distorsion, ouais. Je vais la récupérer. Bah, faut fermer un peu, hein, parce que au final, mine de rien, mes Pokémon ne sont pas tant au level que ça. Et j'ai l'impression que si je monte pas un petit peu de level, les prochaines zones, je vais me mettre à hurler. Donc elle est où cette zone spatio-temporelle, mes couilles ? Oh shit. La zone spatio là. Derrière ? Bah attends, mais vous la voyez où ? Ah, c'est ça là-bas, d'accord, ok, ouais, exact, exact. C'est bon, c'est bon, c'est trop bien. C'est acté, c'est acté, c'est acté. Je peux la voir sur la carte directement. C'est vrai que j'ai pas checké. Ouais, elle est là. Hop, on a un petit truc, histoire de. On est censé y découvrir des dingueries. Hein. Merde. Qu'est-ce qu'elle fait ? La femme qui éteint mes lumières. Pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut le mal ? Tiens donc, tu es jeune recrue du corps des chercheurs qui a apaisé Ashikata ? C'est moi. Le roi de la forêt, si je m'amuse. Ouais, ouais, c'est bien moi. Tu es là pour aider à l'installation du bivouac de la friche, bien sûr. Aucun rapport avec toi, un jeune apprenti du corps des bâtisseurs est déjà sur place. Il a bien besoin d'un membre du groupe Galaxy assez dégourdi pour l'aider. Eh bien, merci. On y va. C'est bon, on sait où est la faille, hein, les gars. On sait où est la faille, donc on va y aller pépouse, tranquillement, sans crier gare. Par contre, on voit rien. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est censé donner quelque chose de supplémentaire, non ? Il doit y avoir un truc particulier. Poussière. Ah, c'est peut-être juste qu'il y a de la poussière étoile en fait. De la fucking poussière étoile. On va récupérer du galet noir. Bah non, on a là aussi. Je comprends plus rien. Ok, on y est. On y est, un peu d'émotion. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, Libégon. Non, c'est un Yanmal, Libégon, j'ai dit n'importe quoi. Je suis soupi, je crois. Ok, ouf, j'ai pas eu. Donc on est dans. Qu'est-ce qui se passe dans la faille ? Elle est pas encore ouverte ? Ah oui, d'accord. Il y a un timer pour qu'elle s'ouvre ou faut juste que j'attende Oh, ça s'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une dingue ? C'est quoi ça ? Ah, c'est pas bien, ça. What the fuck, non ? Ramasse tous les items, d'accord, ok. Attends. Merde, mais j'ai plus de place, Il faut que je jette des merdes. Qu'est-ce que je peux jeter Je peux pas envoyer des trucs directement. Putain, je suis baisé en fait, j'ai vraiment pas assez de place. Tu vas te faire mêler. Ça pop les items d'évolution des Pokémon, ok. Vas-y, je jette. Craft des items. Ah mais oui, c'est moi qui peux craft, tu vois, non ? J'ai un truc pour craft normalement. On est d'accord que j'ai bien un truc pour craft à domicile, on va dire. Guide d'aventure, comment ? Non, c'est pas là. Oui. C'est dans objet rare ? Oui, c'est là. Oui, vous avez raison, c'est la boîte à outils. Très bien, confection. On va crafter tout ce qu'on peut crafter. On le craft, gros. C'est parti. Bien joué. Bien... Quoi, ça ?
Il en faut 8. Superbe. Ça. Bourgeon vivace. Superbe. Ça. 1. Superbe. Ça. Le maximum. Superbe. Ça. Superbe. Ok, on est bien. Jette tout au pire. Est-ce que je vais me faire mêler ou pas? That is the question, c'est bon, on a... Ah, le fameux magmariseur. Wow, wow. Et... La vie de ta mère, il y a un porygon, je suis en train de rêver. Ok, pour... Et en fait, ça fait pop des Pokémon particuliers ou pas? Les tessons, en vrai, ça sert à rien, ok. Bon, si ça sert vraiment à rien, je peux les dégager. Putain, il est brûlé. Bravo à Florisson d'avoir évité cette attaque. Oh, arrête! Comment ça, cage éclair? N'importe quoi. Hein. Il va souffrir deux fois du poison parce qu'il joue deux fois le bouffon. Laisse-moi te capturer. On peut avoir les starters. Oh, mais attends, mais c'est fou! Donc, en gros, les failles comme ça, les failles de l'invocateur là, ça te permet d'avoir des giga Pokémon que tu peux pas avoir d'habitude. Genre plus rare entre guillemets, on va dire. Pour les shiny aussi, je crois, t'as plus de shiny. Ouais. Bah, Noctali, arrête tes conneries! Putain! Ok. Aéroplique sur l'autre. Voilà, ça ne tue pas. Attends, mais il y a lui aussi. Mais quel connard, qu'est-ce qu'il fout ici? Attends, mais on t'avait pas soigné. On s'en fout de toi, gros, là. D'accord, chaque map a son évolué. Un Pokémon spécial starter. Trop, trop cool. Il faut que je trouve le putain de starter ici, alors. Elle dure un temps défini, cette zone, ou tant que je suis dedans, c'est good? C'est trop bien. Allez, là, frère, tu prends 15 ans. Putain, désolé, hein, me casse les couilles, le man. Cinq minutes, la faille, ok. Ok. On va pas jouer les... Merde. On va pas jouer les fines bouches. Ça se capture. Putain, Noctali, le boss. Oh non, il sort. Me dis pas qu'il sort, l'enculé. Non, c'est bon. Ok, super. Non, mais en vrai, on s'en va. Hein. On... Pardon. Putain, oui, on s'en va. On s'en fout de toi. Tu captes pas qu'on en a rien à branler de toi. Des gros dribbles, il y en a partout. On en a rien à foutre. Bon, les tessons, je sais pas trop à quoi ça sert. On a du porygon. Ouais, mais lui, on l'a déjà. M'en fous pas lui. Tesson bleu. Tesson bleu. Je sais pas à quoi servent les tessons hein, dans ce truc en particulier. Ou si c'est de la merde ou pas. Il y en a partout. Tesson vert. Tesson. Mustéboué et tout. Osef. J'ai plus de place dans ma sacoche. Arrête tes conneries. J'ai dû galer. C'est quoi ça? D'accord, ok. Les tessons, ça sert à quoi en vrai? Les starters, c'est durant le post-game. Ah, je les aurais pas maintenant. Ok. Fais chier. Sans problème, un objet très ancien. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Est-ce que je peux recrafter des trucs ou pas? Rien, c'est fini. Fin du craft, fin du buzz. Tesson égale thune. Ouais, donc on sait que la thune, quand même, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Béboulon. Ouais, est-ce que j'ai envie de jeter. C'est quoi ça? Ces feuilles peuvent servir d'emballage naturel. J'ai un foot, non, des feuilles rondes. Vas-y, jette-moi ça. Je vais trouver d'autres. Ça aussi, bon, je m'en fous, j'en ai qu'une. Tu vois. Oh, bâtard. Améliorator. Ça me tue. J'ai eu l'améliorator, gros. Oh, Evoli. Oh, ça vaut le coup, Evoli. Bah, de toute façon, ça vaut toujours le coup. Mais pourquoi ils sont tous agressifs, par contre? S'il y en a un qui est pas agressif, sa mère meurt ou quoi? Oh, bah, du coup.
Et on va juste mettre un flamèche en puissant et le capturer. Je dis, ça peut être toujours cool d'avoir un petit Evoli, surtout qu'on l'a pas dans le Pokédex. Fait chier pour Rigon, il s'est invité à la fête là. Oh là là, le KG éclair. Oh le lourd en soirée. C'est surtout qui va me faire perdre des tours, voilà. Putain, t'es chiant mec. C'est vraiment, c'est trop chiant. Non, on commence à prendre notre part. Mais Fleurisson, Evoli pour Rigon, Fleurisson. Au niveau de l'ordre, aucun sens. Voilà. Donc là, c'est bon pour Evoli, normalement. On va avoir un petit Evoli familial. Qu'est-ce qu'il y a? C'est capturé. Et là, on se casse, hein, parce que lui, vraiment, on s'en fout. Mais putain! Mec, elle est prio, c'est n'importe quoi. Fous-moi la paix. Qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes? Attends, j'arrive. Attends, mais il y a un Pyroli qui vient d'apparaître. Je vais péter mon crâne, mais c'est trop bien. 2 secondes, ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que ça a pas... Ah oui, j'ai cru que ça mettait pas la faille en pause quand je partais. Mais pourquoi je mets mon casque? Moi j'en ai pas besoin. Sinon j'allais dire, je vais péter un plomb là. J'ai vu du Pyroli, j'ai vu tout ce qu'il y avait à prendre. Ok, Ascarino aussi. Ce qu'il faudrait ici, c'est partir sur il est où, Castorno? Okay. C'est lui qu'on veut. Ils sont 15 000. Ça me casse les couilles. On va envoyer du Vibraqua. En style puissant. Non, en normal, je pense. Ok, parfait. Mais je croyais que je pourrais avoir qu'un seul type d'Evoli, vous m'aviez dit, dans les zones. Alors que là, on a Pyroli, Noctali, on est 8 Evoli. Ok. Allez, ça capture et on s'en va. Après on a pas Scarino, Scarino on peut peut-être aller chercher aussi. Il y avait un Scarino, on a croisé un Scarino baron, on n'a pas pu récupérer. Et il sort. Non il sort pas, je comprends plus rien. On va lui mettre un petit vent glace en ça, en normal. Mal. C'est pas assez de dégâts. Mettre un Vibraqua, ça fait un petit aqua jet qui est nul. Comment ça? Comment ça c'est... Aqua jet c'est censé être... claqué? Bon bah vous savez quoi on s'en va. Quoique...
deux évolutions par zone. Ok, donc là c'était Pyroli et Noctel. Je croyais que c'était qu'une. Non, ça me va. Pio, un petit vive attaque en style puissant sur du Scarino. Oh non, merde, gros, fais un effort. Salut Seb du Loup, salut à ceux qui ont joué, salut à tous les amis. On est tranquille, on vient de se faire baiser la gueule en un coup. Évidemment. Évidemment. On va Furisson, mais Furisson il va faire la gueule hein, face à Mustéplot. Évidemment. Un petit flamèche. Ça me casse la rondeur, il évite toutes les attaques. Là. Bien sûr que j'abandonne le combat. Frérot, c'est très grave là ce qui vient de se passer. Le mec est en train de me laver toute mon équipe one by one. Il y a un moment, il s'agirait d'avoir un peu de respect pour les gens qui travaillent. Ouais, je vous le demande. Hop, voilà. On va quand même se calmer. Hop, Castorno pareil. En tout cas, tu peux avoir 3 Pokémon dits rares par faille et la liste change selon ses zones. Donc là, j'imagine que c'est Porygon, Noctalie et Pyroli. Il n'y a pas de starter du coup. Puisque les starters, vous avez dit que c'était quoi plus post-game. On va juste essayer de récupérer les items pendant ces 5 minutes. Et le truc, c'est qu'ils sont tous genre agressifs. Il n'y en a pas un qui te laisse fumer une clope sur le côté. Va tranquillement. Non, non, non. Tous, ils te veulent du mal. Ah. On va aller récupérer de l'item. Voilà. Oh, une belle pépite. Oh, bello pepito. Et on a un Ronflex. On a un Ronflex qui est là. Ah, les évolutions sont pas considérées comme rares. Donc c'est quoi? En gros, ici, c'est Ronflex. Ok. Ronflex. J'imagine Ronflex, Porygon, Scarino est considéré comme rare ou pas? Non, je pense pas. Rodrive, alors j'en parle pas. C'est vraiment le clochard de la bande. On s'en fout. Non, aux FTR un petit talent. Juste Porygon. Ah, juste Porygon. Eh ben d'accord. En plus le Pokémon n'est pas bandant non plus hein. Par contre je prends full tesson, on m'a dit que ça se revendait une fortune, moi je suis là pour de la thunesse. Touché évidemment. Et y a pas autre chose, je peux pas trouver je sais pas d'autres Pokémon plus rares ou un truc particulier là, j'ai fait le tour j'ai l'impression du coup. Là j'essaye de récupérer juste. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde. Au revoir. Toujours du Porygon. Bah vas-y, à part choper les Porygons. On va peut-être essayer d'y aller en scred. Oh, il m'a vu. Ah bah c'est fini. Et bah voilà, c'est terminé. C'est une fin de rêve. Fini, finito pipo. On a fait le tour. Voilà. Tu vas regretter de pas capturer Porygon. Bah non, je l'ai capturé Porygon, c'est bon. Je ne regrette pas, je l'ai capturé, donc y a aucun souci. Juste j'en ai capturé qu'un, effectivement, je me suis pas acharné dessus quoi. De toute façon là j'ai plus de place, donc à part se casser, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. On a fait ça, là on a des objets perdus, ouais à la limite à récupérer. Le marais écarlate, très sympa comme jeu de mots, on se régale. Comment ça je peux pas. Ah oui putain, y'a un mec qui... Oh, trop mignon! Les Teddy Oursa. C'est vrai qu'ils sont là, eux. C'est Pokéball. Ok, ça récupère là. 3. Moi, j'en récupère un max, hein. Tant qu'on est dans les parages. Ah, oh, il est sorti. Ok, et on peut pas aller de l'autre côté. Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il est ressorti, le man. Reviens. Merde. Bon, tant pis. Ah, il y a un Parasect, par contre. Parasect qu'on peut peut-être aller chercher en ça. N'importe quoi, le man. Allez, affronte.
affronte mon regard, comme on dit, juste une petite flamèche. Non, j'ai fait vieux. Ouais, la tranche qui va me one shot. Bien sûr, un grand classique. Bon, on va faire vive attaque en fait puissante. Et il va attaquer après. Sans te spoil, il faudra que tu retournes dans les anciennes zones. Faire les failles, ça te sera utile. Ok. Oui, de toute façon, il y a pas mal de choses à aller récupérer, je pense, dans les premières zones, quoi qu'il arrive, parce que le jeu est très très riche, de ce que j'ai compris en contenu. Donc ça me dérangera pas. Quoi. Les tessons sont uniquement craftés en morceaux étoiles avec la poussière étoile. Donc en gros, je dois garder mes tessons, je dois garder les morceaux d'étoiles, et à partir de là, on commence à discuter, c'est ce que t'es en train de me dire. Sinon après, c'est pas la folie. Très bien. Merci pour les 500 bits. Merci beaucoup, Vogmery. J'avais pas remercié Bribri aussi pour le 3e mois. Sgeger pour le 17e mois, hein, tout à l'heure. Je t'avais remercié, mais j'ai envie de le refaire. Là. C'est juste que j'ai mal. Vas-y, frère, on va se parler. Oui. On va les soigner. Tiens, voilà, le Porygon, donc on l'a bien eu. Hein. On a de la nouvelle espèce. Donc ça actualise un petit peu. Ouh, mais ça avance pas des masses. Ça avance pas de fou. Continuer les recherches. Attendez, on va rien faire. Ouais. On va rien faire et on va regarder. Non, c'est pas là. On va regarder. Où c'est que je peux checker mes quêtes en cours. Forum des objets perdus, cadeau mystère, guide aventure, commande. J'ai pas un endroit où je peux checker mes quêtes. Alors ça doit peut-être être ici. Mission. Voilà. Mission. Ouais, on en a masse qu'on n'a pas faite. Étourmi, on s'en branle. Au final, grand mustéboué, petit mustéboué. Donner un mustéboué à Thomas. On l'a pas fait ça ? On va activer le guide. En fait, j'en ai masse que j'ai fait. Et j'ai pas terminé quoi. Ah, il faut que j'aille le valider. Marquer au moins 10 000 points au visé tir, ça on l'a pas fait. Rakaïou, c'est good. Là c'était quoi? Parler à Vigie. Il semblerait que des Kenotors retournent, rien d'accord. Ça c'est quoi? Enquêter sur le Baudrive qui joue avec les enfants le soir à la plage Premipia. Très bien. 3 sur 3, c'est bon aussi. En fait, j'ai masse trucs que je dois aller valider en fait. J'ai vraiment masse trucs. Et montrer un hippopotas mâle et un hippopotas femelle à Esra. Je me disais qu'il y avait un truc avec les hippopotas. J'ai la poupée Pokéchi aussi que je dois amener au mec. En vrai, j'en ai 15 000 des trucs à faire. Montrer la page de Pokédex complétée à Roselia, mais ça, on l'a pas fait encore. Le champi, on l'a. Montrer la page Pokédex complétée de Krixik. Je sais pas si Krixik, on l'a fini au niveau du Pokédex. Il est où le Krixik? Le man. Ouais, Krixik, il est complété, il est full complété. En vrai, j'ai masse truc. Hein. Tu sais comment avoir Grolem et Alakazam? Moi, ouais, il faut l'objet câble Link, mais je ne l'ai pas pour l'instant. Et de toute façon, c'est pas très grave. Puisque ils ont pas le level, je crois. Tu fais des sessions où tu captures max de Pokémon, tu auras plein d'XP et de la Thunasse. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on fait à peu près en essayant d'avancer tranquillement, tu vois, dans l'histoire. Donc là, on a tout le monde. En vrai, là, je pense qu'on va valider les. On va aller valider les quêtes. Hein. On a masse truc à valider de ce côté-là. Ouais. Alors, déjà, on va commencer par foutre en l'air tout ce qu'on doit foutre en l'air. On va le récupérer, ça. Voilà. Et les Gigamass Balls, en fait, sont là. Ouais, putain, Gigamass Ball, je vais les prendre. Putain, je peux pas. Effectivement. Ça, on avait dit que je gardais. Une boîte remplie d'une énorme quantité d'énergie magmatique. Appréciée un certain Pokémon. J'imagine que ça, c'est pour Magmar. Un type d'avancement en Pokémon divers et varié. Apprécié d'un certain Pokémon. Améliorator, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour le trio genre Magmar, Electek et Tutti Quanti ou rien à voir? Ah, c'est pour Porygon 2, ça? D'accord. Ok. Ouais, j'ai récupéré le Zarbi. Je l'ai récupéré le Zarbi. Ça, je vais le garder puisque ça se revend. Ça, on garde aussi. Le champi, il faut que je le file à quelqu'un. Donc pour l'instant, on est bien. Ça, on va le prendre également parce qu'on doit le filer. Pépite, ça se vend. Les Gigamass Ball. Propulse Ball, on s'en fout un peu pour l'instant. On est pas mal. Le problème, c'est. Ouais, par contre, je pense que je vais aller parler au mec pour augmenter l'inventaire. L'inventaire, il se remplit trop vite en fait.
C'est insupportable. Bon, enfin, c'est insupportable. Et tu vois, lui, par exemple, je sais que je dois lui parler. Donc voilà. Je confonds avec quoi? Confonds, il les a pas. Tu as récupéré des zarbis de rusticité. Bah, j'ai bien récupéré un zarbi, non? Je confonds avec autre chose, alors? Du coup, j'ai mal compris la question. C'est incroyable. Bon, mais merci, gros. Non, vraiment, merci. Mais de rien. Non, mais de rien, vraiment. Tu peux acheter des attaques pour tes... ça, oui, j'ai compris, des baraques au début. Je t'en demande qu'est-ce qu'il me raconte. Merci, Fofi, pour le quatrième mois. Salut, merci encore pour ta bonne humeur. Ça fait tellement de bien, continue comme ça. Ouais, merci à vous, les gars. Mais non, mais on est dans la... C'est toujours la bonne humeur, ici. Bien sûr, bien sûr. On a envie d'être heureux, tout simplement. Donc, on lui a fabriqué sa poupée et il me donne... une poupée. Eh bien, merci. Merci énormément pour ce que tu viens de faire. C'est énorme. Merci, Blue Eyes, pour ton prime le deuxième mois. Merci beaucoup. Ah, attendez, j'avais pas vu mes Luxio. Il peut évoluer, le con. Ah, bah oui. Il y en a trois à Rusty. D'accord. Bon, bah, j'en ai qu'un. L'animation, c'est un truc qu'ils ont pas loupé. C'est l'animation des évolutions, par contre, dans ce Pokémon. Ça a vraiment de la gueule. Excellent. Oh la mamacita, Luxray. Donc là, on a un vrai mec très énervé là pour l'instant. Ça me régale. Alors, on a de la poupée. La poupée, on va la dégager évidemment, puisque vous avez pu voir qu'on s'en branle un petit peu par la suite. Donc ça, c'est bon. Grand Mustéboué, petit Mustéboué, Osef. Allons faire donner un racaillou à Narimad. Alors ça, c'est où? J'aimerais savoir où c'est. Est-ce que c'est par là? Il faut que je me barre. Il faut que je quitte le village. Donc non. Parler à Vigie. Il semblerait que notre Zizani a rusticité. Il faut qu'on se barre aussi. Ouais, il faut qu'on se barre. Là, je veux faire ce qu'il y a ici. Enquêter le soir, ça, on l'avait pas fait. D'accord, Nectarine. Il est où, Nectarine? Faut qu'on se barre aussi, mais enfin, c'est insupportable. Étrange apparition. Ça, ce sera hyper long. Ce sera jamais retrouvé. Tu t'es calmé? Bonne nuit. Un câlin? Oui. Non. Moi, je suis au travail, là, ma puce. Je travaille, je peux pas. Tu es avec maman. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tu as compris? Demain, c'est moi qui t'amène à l'école. D'accord? Demain matin? Je sais pas. Bon, rassure maman. On verra. On verra. C'est pas la peine de faire ça. Tu vas écouter maman, tu vas te coucher. Bonne nuit. Et oui, elle avait fait des bêtises. Elle n'écoutait rien. Un scandale. Un scandale absolu. Mais bon, tous les gens sont across the map ou quoi, là? Je comprends plus rien, moi. Montrer la page Pokédex à Moni. Mais Moni, elle habite où? Moni, elle est où? Elle doit être là. Ils sont tous là. En fait, ils sont tous là-bas, les connards. Y a personne, en fait, ici. Je me fous de ma gueule. Ok. C'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Ils sont tous là. Bah, regardez, ils me disent que la mission, tout est ici. Là. Les gars, je l'invente pas. Bah, alors pourquoi ça me le marque pas? Si vous me dites qu'il est dans l'autre. Moni, attends, Nectarine? Ça? Bah, je l'ai pas là. Ah! Non, mais d'accord, je suis con. C'est l'épinglé que ça me monte depuis tout à l'heure. Non, 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 non. Et oh, non, vous avez raison. C'est juste que moi, depuis tout à l'heure, je regarde l'épinglé. Je suis un con. Oui, non, mais je suis un con. Vous pouvez le dire. Gigi, t'es un con. En fait, il est là. En blanc, c'est celui que j'ai mis. Très bien. Mais je trouvais ça bizarre qu'il y avait rien dans le village. Je me dis, bon, je prends toutes mes quêtes dans le village. Puis il y en a aucune. On peut aller se faire foutre un peu là. Nectarine, il est en bas, ouais.
dans la baraque. Merci Castou. Merci le saint. Ouais, je me suis amusé. Bordel de merde. Je peux pas le riz. Je l'ai posé le riz zélé. Allez, copains. Je l'ai laissé, évidemment, dans la box. Je suis un con. Je pense à cultiver dans le village. On peut cultiver dans le village. Ah, les endroits qu'il y a ici, je peux aller planter des dingues. Putain, mais en fait, on peut faire trop de choses. C'est très, très grave, quand même, là, ce qui se passe. Ça, c'était pour vendre. Ça aussi, c'est pour vendre. Le riz. C'est ça, le riz zélé. Riz zélé. Ok. Tu as une de quête à prendre aussi. J'ai vu sur ta carte. Oui, j'en ai masse, hein, des quêtes à prendre. En fait, il faudrait que j'aille toutes les chercher et puis après que je les complète au hasard. En fait, il y a tellement de quêtes en même temps à faire. Après, je sais pas si c'est worth de tout faire. Ça donne quoi au final les quêtes à part les items? Ça donne de l'XP pour les Pokémon, c'est dur des trucs particuliers ou pas? Parce que si c'est juste les items qui te donnent, parce que j'ai un peu rien à foutre, hein, des fois. Quand le mec est en mode waouh, je te donne 2B. Super. Vas-y, vas-y. Faites votre rapport à Sika, d'accord. Bon, pas long. Donc là, c'est bon. Et Sika, il est dehors. Des objets rares. Ouais, des fois, c'est quand même... bravo, tu gagnes 10 Pokéballs, quoi. Donc attention, attention les objets rares. Ok, parfait. Ah, là, dans ce cas-là, c'est intéressant, puisque du coup, ça amène de nouveaux articles à la boutique. Ça régale. Alors, Sika. Alors, monsieur Sika, qu'est-ce qu'il nous met? Ah, pas lorsqu'on mélange cette boule nutritive à de la nourriture, elle dégage un parfum appétissant. Donc ça, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, que certains appâts pouvaient être faits pour, justement, augmenter les chances de capturer, notamment des barons, enfin, les Pokémon en général. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Par contre, on l'a dit, on a ça à vendre. Ça sert... Est-ce que ça vaut le coup que je vende ma poussière d'étoile ou pas du tout? Pardon. Ouais, je le vends. Ok, je vends. Et la pépite, pareil. Ça, je vois, peut être vendu à un bon prix. Bon, c'est que... Garde avec les... Mais oui, vous m'avez parlé des tessons. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Ça sert plus tard. Est-ce que j'ai... vaut mieux que je les garde? Garder la poussière et les tessons. Est-ce que ça se vend combien ça? Ça se vend 150. Allez, copains, ça se vend 1000. Oui, mais pour l'instant, vends, t'inquiète, tu en auras énormément. D'accord. Bon, mais c'est bon. Je garde les tessons, cela dit. Si vous me dites que c'est pas. Là, j'ai ce qu'il faut. Merde. Est-ce que je dois prendre ces merdes là? Alors, à pas tout mou, à pas qui brille, à pas. Est-ce que j'ai des petits mélanges à faire? J'en ai déjà 10. On saura quand tu défonceras la team Rocket locale, d'accord. Bon, ça se récupérera là, c'est Osef un petit peu. Les Pokéballs, je suis passé à la Super Bowl, j'en ai plus rien à foutre. Bon, on est pas mal, mais est-ce que les appâts, ça peut être intéressant, surtout sens pas pour le prix que ça coûte. J'en prends 10. On sait jamais. Voilà. On sera bien. Par contre, j'ai un peu de thunes, et je vous en ai parlé. Je pense que je vais littéralement... Allez voir le man qui augmente notre inventaire parce que sinon on va hurler. Oh oui. J'y vais maintenant parce que sinon c'est trop chiant. Allez. Merde, j'ai dit non, je suis un con. Ouais, ouais, vas-y, c'est combien? 1500, mais je le prends. Là, je vais utiliser pas toute ma thune, mais presque pour augmenter notre sardoche, comme on dit. J'achète. Je pense streamer jusqu'à quelle heure? Je veux pas, pas d'heure particulière. Je veux pas, 20h30, 21h. Ok, c'est combien maintenant? 2500 balles. Allez, on va aller jusqu'à 10k et après on s'arrête. Mis à part les graphismes éclatés au sol, le jeu en vaut-il la peine? Eh bien, moi je pense que oui. Voilà, je vous le dis, monsieur.
pense que le jeu est vraiment très bien, vraiment. Voilà. Allez, au revoir. Ça suffira pour l'instant. Ça me permet quand même de rajouter un petit peu d'espace. Et mine de rien, là, on commence à discuter. Bon, est-ce que j'ai encore des trucs à valider de ce côté-là? Je vois que oui. Ouais, donc faut que je me barre. Faut que je me barre pour valider autre chose. Vous voyez, j'ai énormément de quêtes encore de ce côté-là. Je dois aller au plateau pour rencontrer Ursa King. Je vais quand même aller déposer quelques petites choses. Je fais la quête du Ponyta en vrai. Je l'ai pas déjà faite la quête du Ponyta. Je me suis un peu... J'ai plus aucun souvenir, moi. Je suis tout nu et tout bronzé. On va réorganiser. On laisse comme ça. J'ai le champi tout mou. Attendez, hein. Je sais que c'est un peu chiant, mais c'est le moment de tout vérifier. Principal. On a celle-là. Et secondaire, oui, pardon. J'avais un truc avec le putain de champi. Voilà, ça. Apatumu. C'était où? Ça se passe où, ça? C'est pas là? Bon, faut que je me barre également. Ça a l'air d'être de ce côté-là, encore une fois. Les quêtes en noir, c'est celles pas prises. Ouais, je sais. Je sais bien que ce sont les quêtes pas prises. Justement, il y en a beaucoup. Alors, c'est à qui que je dois parler, mec? C'est à toi? Viens là. Hop, hop. Fous-moi la paix. Alors, je préfère les valider maintenant parce que sinon, je vais oublier. Et puis, tu sais, c'est souvent les quêtes que tu laisses sur le côté du début du jeu. Et puis, quand tu y penses, tu dis, je vais toutes les faire. Bah, c'est chiant parce que c'est des quêtes de merde qui servent plus à rien en late game. Donc, c'est ciao, quoi. Oh là là, oui, c'est bon, on a compris. Donne-moi ça. Merci. Alors, je dois me rebarrer, mais la quête du Ponyta, je vois pas ce que c'est, les gars. Je vais suivre ça. Non, ça. Oh, ok. J'ai fait aucune recherche, hein, gros. Mais il ne s'est rien passé. Ah, si, je l'ai fait évoluer. D'accord, ok. Je vais retourner au village. Les Pokémon de Hisui ont des associations de type assez cool, tu verras. Bah, j'en ai pas vu énormément pour l'instant, à part les starters. Voilà, je m'étais spoil. Merci Dadou pour le 5e mois. Wardek. À part cela, j'ai pas vu toutes les formes. Bon, certaines dingueries, évidemment, hein, pas le cas à Dialga. Mais j'ai pas tout vu. Ponyta Shiny, la quête 16. D'accord. Je vais aller voir. Ponyta Shiny, la quête 16. Mais je l'ai pas, hein, je l'ai pas prise. Ouais, peut-être que je la fasse, hein, du coup. Je vais rester sur la quête principale pour l'instant. Il faut que je trace. Ok, across the map, on y va. Voilà, on est vraiment bien loin. J'ai beau bombarder. Oh, arrête tes conneries. Oh putain, ça passe pas là, frère. C'est très grave. Par contre, je suis chaud de retester boule de nœud. Parce que j'ai la giga mass ball. Merde. Oh, fuck mate. Moi, je prends vraiment ma part. Là le jeu c'est le jeu s'est écrit attention, tu vas die. Ok, c'est bien. Donc il est là. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est notre moment. Donc une B au rang et j'ai la giga mass ball cette fois-ci. Mass ball. Voilà, nice. Alors, évidemment quand je lance ça marche pas. Oh! C'est ça qu'il me fallait! C'est juste ça qu'il me fallait, putain, le first time! Mais c'était sûr! Il me fallait une giga mass ball, voilà, au lieu de prendre une mass ball de merde. Merci K1 Swayzen pour le 25e mois, merci beaucoup. Bah, tu t'abonnes au même moment, je pense que c'est peut-être un signe, bordel de merde.
Ah, un giga les noirs. Technique infaillible. Ah bah là, ça a fonctionné bien comme il fallait. En plus, j'ai récupéré le niveau 45. On est en full régalade. Il a donné un peu d'XP en plus. Oh, c'est parfait, c'est très bien. Bon, là, on avance, hein. Il n'y a que du Pokémon qu'on connaît. Non, les copains. Juste, on envoie là. Voilà, tout ça. Alors là, on a un Hippopotamus. Bien sûr, quand je dis Hippopotamus. Merde. Oh, là, tu casses. Putain, c'est pas possible de passer un moment calme, serein. Tout le monde t'agresse. C'est une agression. Le jeu est une agression permanente. Non, mais c'est très grave, hein. Le jeu prend de l'agression. Ok, de la rue Tabagaz. Je vais quand même aller chercher. Oh, mais j'avais pas vu lui. Qu'est-ce qu'il branle ? Non mais les gars, je suis trop fort ou quoi là? Je suis le meilleur joueur français ou je comprends plus rien moi ce qui se passe? Bah voilà! Voilà! On y arrive hein! Mais je suis un monstre en fait! On est d'accord que je suis juste un monstre! Oh, putain de monstre! Je vais en capturer quelques-uns là, parce que je sais pas si c'est que des mâles, des femelles, etc. Marée bouche bée. C'est vraiment, les amis, les copains. C'est bon. Je vais en faire un troisième. Attention. Ah, je crois que c'était... des espèces différentes parce qu'ils n'avaient pas la même gueule. Voilà. Voilà. On y est, quête principale, on a pas mal avancé. Oh la vache. Fais gaffe à ton niveau de recherche. Pourquoi? Bah je suis pas trop mal là actuellement. Je suis niveau 3. Ah oui, tu veux dire parce que niveau 46, oui, mais je peux pas les contrôler. Ça, je suis d'accord. Moi, je pourrais passer dessus. Mon Sacking a beau être énervé, il répond toujours à l'appel de ma flûte céleste. Très bizarre l'ambiance. C'est probablement son instinct de monture Pokémon qui le pousse à venir vers moi. Ok. Je suis un singe né sous X. Je suis un singe né sous X. Oh, oh le stylé. Maintenant, montre-lui de quoi tu es capable. Attends, mais je vais le laver. Tu m'interdis, je peux pas l'attraper du coup, je dois lui casser la gueule. Oh, mais là, il a l'air d'avoir un type bizarre. Je dois juste lui casser la gueule, c'est tout. Ça a l'air très très bizarre cette ambiance. Ça lui fait peur ou pas? Oh bah le piétisol, ouais, il va pas nous faire plaisir. Hein. Oh bah oui, bien oui, évidemment, oui. Excellent. Bon, on va aller chercher Castorneau, on va lui montrer qui est le patron. Hein. Vous voyez un petit vent glace familial là, tiens. Voilà. Je sais pas de quel type il est, mais je pense qu'au vent glace ça va le mettre mal. Qu'est-ce que je pense? Oh la tranche. Oh les dégâts. On va stab avec vivre à quoi. Il doit être sol. Ouais, ça passe aussi, ouais, ça pue. Il est normal sol, ok ouais. Bon je me doutais, je me demandais si c'était pas genre sol, acier. Mais non. C'est ça ton Ursaking là. Le détox. GG. Bon, c'est du lavage. J'aime bien le jeu pour l'instant. Oui, mais moi, je le dis depuis le début, le jeu est excellent. Le jeu est très bien. Juste, il est moche, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a? Il ne brillait pas, il n'était pas si enragé. Ouais, c'est ça, hein, je l'ai pas trouvé. C'est pas comme à Shakator. À Shakator, c'était terrible, hein, frérot. J'ai dû le laver, quoi. Exactement, quand tu as apaisé la rage de Hachekateur, même d'ici, j'ai pu voir une lumière s'élever vers le ciel. C'est ça. Mais il n'y a rien eu de tel pour Ursa King, d'ailleurs, il ne brillait pas à la base. Ouais. Par contre, j'ai trouvé cette substance sur son corps, c'est une sorte de poudre. Bon alors, Ursa King, on se fait des rails, on fait des belles soirées. Merci Lou Lafleur pour ton prime. Je me demande pourquoi cette Marcia du clan Diamant est venue me parler d'Ursa King. Très bizarre. J'ai oublié quelque chose d'essentiel. Peux-tu me jouer de ta flûte? Enfin, oh! Vous savez quel âge j'ai, moi, hein, la Guéla? Enfin, dégueulasse! Voilà, tiens, je te joue un peu de ma flûte, moi. Quel starter 9G? Je suis plutôt sur Chouchoudil. Chouchoudil, j'aime bien. Et j'aime bien le Piaf. Arrêtez, ça va devenir. Ça va devenir une monture? Il m'offre la plaque terre. J'imagine que c'est la plaque terre pour notre ami Arceus. Ursa. Ursa, Ursa King. Elle peut désormais appeler Ursa King en guise de monture grâce à la flûte céleste. D'accord, mais est-ce que ça ajoute un. Est-ce que ça ajoute un truc particulier par rapport à mon monture actuelle Est-ce que c'est juste pour dire voilà, j'ai une monture différente ou bien non? What the fuck, bon. Oublié de les remettre là-bas. Excusez-moi, je parle tout seul. Je suis en train de relancer mes runs. Ouais, c'est oui, c'est le cherche-objet, d'accord. Il peut déterrer les fameux trésors. Sur un sac à faire un trésor devant lui, il réagit vivement. Et sur le bouton Y pour déterrer un trésor. D'accord. Ah mais je peux lui monter dessus aussi. Ouais, c'est vraiment le cherche-objet. Et par contre, si j'ai... Oui, si j'appuie... Quoi? Ouais, donc là... Je ne comprends rien. Lui, il peut pas sauter non plus. D'accord. Mais on dirait que je m'approche de quelque chose et il dit non. Par là? Comment ça marche? C'est là? Mais pourquoi ça devient vert d'un coup et ça veut rien dire ton cherche objet là? Ah! Oh la vache, c'est pas clair du tout. Hein. Oh, un vieux poème. Pff, la chance que j'ai. Il trouve lui-même l'objet juste cherche. D'accord, je croyais que je devais... Mais en fait, je croyais que je devais appuyer sur Y au bon moment et pour le récupérer. N'avez pas le détail issu, hein, jugé par la forme des lettres, ces poèmes seront. D'accord. Voulez-vous le lien? Non, ça va, je le lirai plus tard. Merci en tout cas. Merci pour ton mieux. Juste quand il trouve. Quand il y a le truc vert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'item, on est d'accord? On peut pas aller très vite. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, vert égale, il n'y a rien. Sinon. Ah oui, tu peux changer directement comme ça. Par contre, ça c'est vraiment pratique. Vive la vie. Ouais, c'est le chaud-froid, quoi. Ouais, c'est très bien. Je vais juste récupérer du matériel, des petits matériaux à droite à gauche, et on va enchaîner avec la quête principale. Est-ce qu'on est passé par là? Ouais, c'est là où il y avait Yanma, et c'est là où il y avait la faille. La faille de l'invocateur. Au niveau de la quête principale du suicide de Martien, allez informer le dirigeant Cormier du résultat de vos recherches au sujet du Ursa King. Très bien, bah.
Bah du coup, on doit tracer, on doit retourner là-bas. Mais avant, j'aimerais quand même un peu explorer, un peu me régaler, un peu. Ouais, on a le cœur sur la main. Tiens, tiens, tiens. Il m'a vu ou pas? Ah, mais il devient ami. C'est des petits dingus, hein, ceux-là, c'est des petits coquins. Ok, j'ai ou pas? Je pense que j'ai. Non, il sort. Il sort, il sort. Lui, il est à moi. Oh, menteur! Je vais récupérer. Ne serait-ce que pour le Pokédex, qu'on prenne un petit peu de capacité supplémentaire. Ouais, ça ira très vite. Niveau 30 en plus. Je vais mettre ce qu'il faut. Tu sais comment récupérer les sacoches d'objets perdus sur la map? Oui. Je gagne dessus et je la récupère. Simplement. Mais c'est vrai que je le fais pas, je le fais, je l'ai fait deux fois, je crois. J'ai pas fait tellement. Alors que je sais que moi je suis mort une fois, j'aurais bien aimé qu'on la récupère ma sacoche. Je suis un salaud. Ok, on a quelques petits trucs là. Est-ce qu'on récupère des choses ici ou pas? Non. Rien du tout. Putain, mais tout le monde est agressif. Y a pas un mec qui te laisse respirer quand même dans ce monde. Je trouve ça dramatique. Il y a du Gravalanche. Je vais passer là. Teddy Ursa. Ah, bah tiens, justement, en parlant du King, en parlant du loup. Mais il a une autre gueule, cet Ursa King, par contre. L'Ursa King que je monte, est-ce que c'est une espèce, entre guillemets, d'Ursa King qu'on peut récupérer? Ou c'est mort de chez mort? Je peux aller me faire foutre. Ah, c'est Ursaring, putain. Vous les savez les gars que j'avais même pas capté. Ah, c'est... Oui c'est une version d'issue. D'accord, ok. Mais attends. Elle est vieille cette... Putain, j'en ai aucun souvenir. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est une évolution disparue dans le futur en fait. Ok. Avec un objet. Oh, mais on est d'accord que ça n'existait pas Ursa King avant, si. Ou alors je suis plus du tout à jour et... Ok, attendez. Je suis venu par qui là? Oh putain, non! D'accord, ouais. Donc c'est bien ça. Oh, je ne suis donc pas fou. Mais qui me regarde encore? Qui veut pas me foutre la paix? J'aimerais aller chercher en fait Ursaring. Ah, mais ah oui, d'accord, mais tout le monde en fait. Tout le monde me bouffe le cul. Mais bon, foutez-moi la paix. Et bon, j'y vais. Je pense que je peux le. Je pense que je peux faire peut-être une masterclass aussi avec une baie, peut-être. On est où là? On est où monsieur? Je suis caché, ça ne me plus. Non, il sort. Il sort, mais je peux aller le chercher, je pense. Ouais. Ouais, c'était un peu moyen, il m'en reste pas beaucoup, hein. Ouais, je pense que ça va pas, je suis pas sur le bon timing en fait. Je suis pas du tout sur le bon timing. Je suis sur un timing désastreux. C'est très technique. Cachons-nous.
Et je l'ai eu qu'une fois en par derrière. Ça suffira pas. Faudrait que j'envoie quelque chose derrière lui. Alors attends. Oh putain, tu me vois de là, frère. Abuse pas. Oh pardon. Attends, attends, on s'en va très très vite. Hein. Il est où? Il s'est TP? Mais non mais... non mais... Excusez-moi, on est un peu dans la vue là, je veux dire... je veux bien que le Pokémon soit un baron, il soit fort et tutti quanti. mais là... Là, là quand même. On est sur un level que je ne soupçonne pas. Peut-être se calmer. Je sais pas si la capacité vole, en tout cas la capacité de se foutre de notre gueule lui. Ok, un petit Teddy Ursa, il est sur ses gardes, il est plus tranche, il tue Castorm. il nous fait la totale celui-ci. Hein? On va envoyer Furisson. Je pense qu'on va le capturer juste pour le Pokédex tranquillement. Voilà. Je joue au jeu depuis sa sortie, j'ai jamais vu ça. Ah bon? Bon, c'est pas rare quand même, hein. Il y a quand même pas mal de petits bugs. Mais c'est vrai qu'un Ursaring qui vole, on en a pas vu des masses. Je veux pas faire la mauvaise langue non plus. Quand même très spécial, quoi. Ok. Putain, mais pourquoi il court? Mais c'est un fils de pute, surtout. Pardon. Pourquoi il fait ça, là? Il court d'un coup. Il est con, quoi. Il manque une case à ce mec. Oh non, mais il y a l'autre connard là-bas, pardon. Hein, je suis très en colère, je suis très en colère. Pardon, excusez-moi. Je dois... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire, Ursaring? Enfin! N'importe quoi! Un scandale. Mais il se met à courir d'un coup, ça me stresse. Donc là, c'est mort. Est-ce qu'on passerait pas par là? Voilà. On va y aller tranquillement et on va lui mettre. Arrête tes conneries. C'est un fils de pute. Non mais vraiment faut le dire, c'est un enculé. Vous avez vu ce qu'il fait? Il est trop chiant, il est vraiment trop dur à avoir lui. Il est relou le man. Tiens, je vais prendre ça tant que je suis dessus. Voilà. Alors, on y retourne. Tranquillement. J'ai envie de me fâcher. J'ai vraiment envie de me fâcher. Pas possible. Bah, j'ai beau tout faire, le mec me voit à travers tout, il se met à courir d'un coup. Je sais pas ce qui branle quoi. Tiens, je te mets un piétisol. Merci Xomat, merci pour le 7ème mois. Bah tout va bien, à part qu'on n'arrive pas à l'avoir quoi. On a pu le faire qu'une seule fois. Et en plus il est entouré de 10 000 personnes. Tu me vois là? Allez viens. C'est bon. Sorti. Il est évidemment sorti.
J'ai. Tiens, Bouffon. Oh, ils sont encore. Let's go! Wow, wow, wow. Et en vrai, first time, hein. C'est bon, on l'a eu. Putain. À vouloir, hein. Il faut en vouloir. Bon, on a récupéré. On commence à voir la méthode pour aller chercher ces bons vieux Pokémon Baron. On met très très bien. First try en plus. Bah ouais, c'est ça qui fait plaisir. C'est que je commence à avoir le coup là, ça se voit. First try. Full first try. Ça fait juste super plaise quoi. On a de la cascade là-haut. On bouge. Ouais, je fais un petit tour, même un grand tour, hein, si je puis me permettre ici. On a quoi? On a ça. Ben, on va se casser. On va se casser d'ici. Puisque ça va nous demander de se barrer tout simplement. Je pense qu'on va retourner au bivouac. Et ce sera très bien. Maintenant, relâche le. Non, mais ça va pas, non. Jamais je le relâche. Vu comme je me suis fait chier à l'avoir, c'est hors de question. Petit rapport. Alors, on a du mâle, du femelle. On a récupéré 3 barons. 45, 46, 41. Pas les meilleurs barons, effectivement, mais. Mais tout de même, je pense qu'on va avancer. On va avancer bien comme il faut là sur l'XP. Ok. Attention, suspense. 300 points. C'est tout. C'est tout. Je suis extrêmement déçu. Fais la quête du bivouac. Oui, alors ouais. Je vais déjà là. Je l'ai là, monsieur. Ok. Putain, je me suis fait chier. J'ai pris 3 barons. Je me suis dit, voilà, dinguerie. Je vais gagner 1000 XP. 300, gros. 300. Le pécor du coin. Nul à chier. C'est ridicule. Alors, on va monter. On est 3 étoiles. Oh là là, est-ce qu'il y a encore embrouille ou pas? Est-ce qu'il y a déjà? Jiraya, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi lui expliquer. Ok. Fragile Lady, reine du col et protectrice du clan Diamant, est devenue enragée. Non! Cette traîtresse de Marcia le savait, elle m'a rien dit. Une reine? Fragile Lady? Les Fragile Ladies sont toutes des femelles. C'est pour ça que c'est une reine qui règne sur le col. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis pas là pour parler de ça. Je cherche Marcia, mais je la trouve nulle part au village. Elle est venue à la cantine manger mes beignets de patates. Et alors, elle leur a fait honneur. Faut dire qu'il n'y a pas meilleur que mes beignets. On s'en bat les couilles, hein. Par contre, si jamais Marcia avait quelque chose à voir avec les problèmes causés par Usaking au clan père, cela pourrait bien faire naître un nouveau conflit. Non, je pense pas. Je pense pas que Marcia y soit. Non. Cormier, jugez flic. Nous resterions neutres. Eh ben parce qu'on est neutre, on est des gens neutres, parce qu'on est la Suisse quoi, parce que qu'intervenir ne ferait que verser de l'huile sur le feu. Et nous nous sommes installés sur cette terre en espérant éviter tout conflit, exactement. Nous sommes la voix de la sagesse. Aurais-tu une idée de qui nous aiderait à régler ce problème? Je pense qu'on peut demander à Ursa King. Hein. C'est un frère hein, maintenant. Voilà, exactement. Ursa King, tu veux dire que t'as gagné la confiance de la Gala? Bah ouais, ça alors, t'as sûr. Dans ce cas, on va pouvoir trouver Marcia grâce au flair d'Ursa King. Et si Ursa King a reconnu ta valeur, tu réussiras sûrement à apaiser Fragile Lady. J'avoue qu'une petite Fragile Lady, là, ça me met très très bien. T'aimes ça, les patates? Les bonnes patates. Ok. Alors. Trouver le signal pour retrouver Marcia ou Marais Carmin. Donc on va retrouver, on va retourner au Marais. Le Marais en a marre. On retourne au marais, on sort Ursa King de sa boîte magique. Attends. Je me reprends une petite. Ouais, une petite place. Une place supplémentaire. On va se faire un peu de thunes, c'est ok. Capito! La quête du bivouac sert juste à se TP plus facilement. Oui, j'imagine que, comme toutes les quêtes du bivouac, c'est faire un autre campement un peu plus loin. Ça te permettra de gagner du temps, je pense. Effectivement! Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller casser des gueules. On va la retrouver, cette Marcia. On va mettre un nom là-dessus.
Je peux tout enlever, je crois. Ça. Ok. Ah, du bonbon d'XP, du bonbon d'XP. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. On a des apathes. Je sais pas si j'en ai besoin maintenant. Je vais rester sur ces petites crottes. Ah, mais j'en ai beaucoup, en fait. Ouais, 46. Non, bon, on va rester là-dessus, 46. Très, très bien. Ok. Maintenant, l'XP, on va la donner... On va la donner à qui mérite ici. Florisson, j'ai envie que ça devienne sa forme, sa dernière forme, on va utiliser les trois. Et ben voilà. Et ben voilà. On y est, regardez ce qui va se passer, mesdames et messieurs. Florisson. Florisson. Les mots. Oh la gueule du Typhlosio. Ok. Salut à tous, c'est Typhlosio, les gars. Moi, c'est Typho. Ouais. On m'appelle Typho. Il est quoi? Il est... Ah, mais il est feu spectre, du coup, d'accord. Châtiment. D'accord. On a lance-flamme. Bon, ouais, on va évidemment prendre lance-flamme à la place de flamèche. Et on se mettrait pas un petit châtiment à la place de Roulane? Ouais, on va se mettre comme ça. On va se valider ça. Valide-moi de cette merde. Yo les man! Il est animateur au Club Med. Châtiment, on a les deux. Ah, on commence à avoir une équipe qui a, mine de rien, un peu de gueule. Sans faire le gars. Oui, bien sûr. La plus grande prudence avant tout. Pourquoi j'ai un Evoli là? Pourquoi il y a un Evoli qui est marqué ici? C'est un truc particulier? J'en ai déjà un d'Evoli. Hein. Ah, c'est une apparition massive? Oh merde, j'avais pas ça. Ah, j'aurais pu y aller du coup. Ah, mais j'étais pas au courant, alors attends. Est-ce que je peux y aller ou pas? Ou c'est mort? Pas encore. Okay. Une chance sur 150 d'avoir le shiny à peu près. Ok, vas-y, viens, on y va alors. On y va, on a envie de se la péter un petit peu. Merci pour les 40 points en tout cas. Retourner au village. Putain, mais c'est. Par contre, ça c'est trop chiant que je ne puisse pas directement aller d'une zone à l'autre. Je suis obligé de retourner au village pour repartir. Complètement con. Je suis dégoûté. Dégoûté, mais bon, bah, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, comme on dit. Je peux effectivement aller me faire foutre. Il ouais, faut qu'on récupère des noix grumains. Par contre, là, ça presse. Enfin, ça presse. Pas, mais... T'as capté quand même. C'est un peu scandaleux de ne pas en avoir plus. On a dû galer. Vas-y, Typhlo, ouais. Putain, j'ai hâte de le voir attaquer mon petit Typhlosion. De voir ses attaques, ça va être quelque chose. Hein. Okay. Look at this guy. The French snipers. Pardon. Oh, je joue pas en perfect. Ouais, t'es comme... Oh, il sort. Bon, hein, fait chier. J'arrive jamais à me mettre bien, ça m'énerve. On va repartir. Alors, ma quête est où? Ma quête est où, monsieur? Il me l'affiche pas. Donc, Marie Carmen, on est d'accord, un souci de vrai. Servez-vous d'aventure extracting pour trouver les signal. Ah bah oui, parce que je dois.
J'ai vu un signal. Ok. Un signal bleu. Arrêtez de m'enlever par là. Je passe le tour. Est-ce que je peux monter par là, monsieur? Quoi? Et qu'est-ce qui me touche? Oh merde, notre boule de nœud. Oh c'est bon, j'ai donné gros, hein, c'est bon tu. Eh fous-moi la paix, hein, je t'ai déjà capturé une fois. Tu m'as donné 300 d'XP, on s'est foutu de ma gueule. Non, tu ne m'intéresses plus. Laisse-moi. Non, faut pas y aller. Ok, Ursa King, mon pote. Ok. Et par là. Bah, il a faim, il a faim, il a faim, il a faim. Ursa King! Ça suit signal bleu. Signal bleu. Signal bleu. Signal bleu. Attends, tu te moques de moi? Are you mocking me? Mais on en vient. Mais frère! Je vais péter un plomb. Hop, une petite flamme. Signal bleu, signal bleu. Je l'avais même pas vu. Oh Jiraya et Ursa King. Je l'ai aidé. Comment elle va? Donc là je vois qu'elle a ses petites mixtures, elle a ses petites préparations du coup. Comment tu m'as retrouvé? Grâce à Ursa King. Ouais c'est vrai, grâce à l'odeur, il a un super flair. Très bien. Alors bon, qu'est-ce que tu fais la coiffeuse? Je me suis foulé la cheville en essayant de fuir un Pokémon, c'est bizarre mais j'ai l'impression qu'on veut me punir. Ah, t'as dû faire une dingue, non? Marcia, Marcia. Nagina, je suis désolé. Je te dois des excuses. Je t'ai prise pour une petite sotte du clan Diamant, mais je t'ai mal jugée. Pardonne-moi. Ah bon? Mais ce n'est pas ta faute si Fragile Lady est enragée, si Ursa King était si agité. Tu voulais simplement les aider tous les deux, n'est-ce pas? Elle avait le cœur sur la main. J'aurais dû mieux vous expliquer. Ursa King est devenue bizarre après avoir reniflé le parfum de Fragile Lady, alors qu'elle était déjà enragée. Ah, je comprends, l'espèce de poudre qui s'était déposée sur Ursa King venait de Fragile Lady. Mais qu'est-il arrivé à ta cheville? Bon, elle s'est cassée la gueule. Je suis allé ressusciter pour demander au groupe Galaxy d'aider Ursa King pour prendre la confection des objets. C'est là que le professeur Levent me parlait des boules pacifiantes. Alors, je vais essayer de dire. Elle a voulu en fabriquer, mais elle est nulle. J'aimerais bien en apprendre plus auprès de vous. Oui, blabla. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà-je? Mesmer. Alors, à quoi ça rime de vouloir régler les problèmes toute seule? Tu me fais pas confiance, mais enfin! Quand même, le parrain de son fils. Bon, ramène-nous à Fragile Lady, là, on veut lui péter la gueule. Va à l'arène du théâtre, je te rejoindrai avec les boules pacifiantes que Marcia a préparées. Putain, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu peux pas me les donner là et on y va direct au lieu d'aller à l'arène du théâtre? Mon cher Castorno et moi, on s'occupe de Marcia. On vous rejoindra tout à l'heure, ça marche. Ok, BG. Par contre, Kadabra, c'est pas ouf, trop faible en défense. Ouais, mais après, on fera Alakazam, gros. Alakazam à son prime. Hein. Alakazam égale dingue. Ok, on est pas mal. Donc maintenant, on doit se casser. Casser la voix. Ah non, la reine du théâtre, c'est là. Ah non, mais je confondais avec autre chose. Non, non, mais aucun souci alors. Aucun problème, j'y vais avec grand plaisir. Donc là, il est temps de bombarder. On a des ennemis en face. Je crois qu'on va pouvoir la rejoindre assez facilement. Faisant le grand tour. Attends. Oui. Je crois que c'est bien par là. Attends, attends. Ah non, 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 je dois complètement traverser. C'est pas du tout grave. Attends, mais. Par où dois-je passer? Je dois passer ici. Et suivre.
Il faut plutôt que je passe de ce côté-là et que je remonte. Parce que là, il y a toutes les montagnes. En fait, je suis complètement baisé. Oh, j'étais totalement con. Attendez, regardez le move. Joueur français. Là, ça ne sert à rien d'y aller. On y est déjà allé. Donc, je dois faire le grand tour. Bon, par contre, peut-être. J'avais un move. Putain, j'ai envie d'y croire. Le droit d'y croire. Je perds plus de temps que j'en gagne. Le droit d'y croire. Je suis un monstre. Je suis un putain de monstre. Wow. J'aurais pu faire mieux. Ouais, d'accord. Merde, on peut pas monter, quoi. Ça me... Ouais, faut que je fasse là. Quand même chiant, c'est vraiment chiant. Non, mais je le dis. Hein. Je le dis aujourd'hui, hein, je mets un coup de pied dans la fourmilière, mais ça casse les couilles. Regardez, même là, on peut pas monter. C'est des endroits... À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire des endroits comme ça, à part nous casser les couilles? Tu pourrais monter, t'as une monture de fou furieux? Non, il n'y arrive pas. C'est un house. Faire le grand tour comme ça, dans un fond. Oh! Attends, mais ça, j'en ai pas. Je prendrai une prochaine fois, ça commence déjà à me saouler. On doit devoir suivre juste le chemin. On va taper un tout droit. Un petit village? Un petit bivouac? Mais où sommes-nous? À mon diamant. Je peux pas faire un bivouac ici? Je peux pas faire un petit camp? Bonsoir. Bonsoir. C'est tout. Non, j'ai l'impression. Tu as combien de montures actuellement? J'en ai que deux. Donc on a la, celle pour bombarder. Et puis on a eu Ursa King, notre cher objet national. Qui, on va pas se mentir, n'est peut-être pas la meilleure. Mais voilà. Qui m'a vu? Qui me voit là? Ah mais c'est bon. C'est capturé, c'était en nouveau. Donc ça me régale, je voulais juste en avoir un. C'est fait. On va se faire un petit partout. Partout, c'est la nuit. Notre cap est là. Ok. Par contre, c'est vraiment insupportable qu'il n'y ait que des Pokémon agressifs. Il n'y en a plus là. Les Pokémon, tu sais, qui étaient un peu craintifs et qui fuyaient. Bon, ça, c'est de l'histoire ancienne, hein. Ça n'existe plus. Oh shit, c'est coup de langue. Moi, je suis vraiment un fan des coups de langue. Ces langues de toute façon, ça... j'adore. Alors, quand c'est coup de langue, arrête tes conneries! Si fort que ça, le bousin! Pas là pour blaguer. Est-ce que je peux passer par ici? Il va falloir que je trouve un moyen. Peut-être pas. Ouais, je l'ai one shot. Ah, pour le coup, hein. Vous ne pouvez pas aller plus loin, d'accord. Donc là, c'est vraiment les limites du jeu sont ici. Est-ce que je peux traverser? Je peux pas traverser comme ça. Pas traverser comme ça, ce n'est point possible. Bon, par contre, ça fait plaisir le petit coup de langue en one shot, surtout niveau 52. Je pense pas qu'on l'utilise forcément des masses, mais on voit qu'il y a une autre flamme là-bas. Encore 17 flammes. Est-ce que je peux atteindre ce plateau en sautant tel un dieu ou je dois faire le tour? J'ai l'impression que je dois faire le tour. Ok, je prends mes dégâts. Il y a une autre flamme là-bas, on va aller la chercher. Par contre, la caméra qui tourne toute seule quand je me mets à courir, c'est un enfer. Oh les corbins. J'imagine qu'ils sont tous agressifs. Oh putain. Ils sont agressifs les man ou pas? Oui. Oh oui, ils sont bien agressifs, bien comme il faut. Bien les conos.
Par contre, lui, il m'a pas vu. Lui, il m'a pas vu. Mais attends, mais eux, arrêtez de me suivre! Me voir aussi loin, là. Je crois qu'il m'a pas vu. Je crois qu'il m'a pas vu. Je crois vraiment qu'il m'a pas vu, hein, pour le coup. It's ok. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, de la petite fève dodu. Coup de langue, mais le dans ton équipe, il est incroyable. On ira le chercher après. Après, là, j'ai pas le... pas forcément le level pour le maîtriser à son prime, vous avez pu le voir. Par contre, lui il veut pas avancer un petit peu là, histoire de... Ça te dit pas de, de venir... voilà, superbe. Oh, c'est pas... Non mais là il peut pas me voir. Enfin, c'est désolé de le dire, mais là c'est de la vue. Quel moment il me voit le mec. Mais attends, mais il me voit d'au fond là où je suis en train de péter mon plan. Une faille spatio-temporelle, elle est où? Ok, désolé. On arrête tout, mais on part en faille. Ça part en faille, les gars. Ah non, on arrête tout pour la faille. Hein. On se lève tous pour la faille. Évidemment. Nique sa mère l'histoire. Ouais, Corbos, ouais, mais bon, Corbos, il nous emmerde parce qu'il nous voit à 20 km. Oh, en plus la faille, elle est de... vraiment, elle est across the map, elle est de l'autre côté. C'est pas... We are... Tu as vidé ta sacoche? Non, mais j'ai pas énormément de choses, je crois. Donc, de toute façon, dans tous les cas, on va pouvoir récupérer ça. Oh, fais chier, merde. J'ai sué du cul. Pas vous mentir. Petite flamme ici. Sacoche, sacoche, pardon. Ok, on a... Ouais, on a un peu de place. C'est pas la folie, mais on a un peu de place. On va utiliser ça sur... tiens, sur Kadabra. Voilà, prends ton XP. Une nouvelle capacité. Ah bon? Il a pris quoi, le man? Téléphone, 6 coups de boule. C'est physique, c'est physique, c'est physique. Pas non plus la dinguerie du siècle. Faille intéressante. Ça, je peux jeter en vrai les plantes PP, tout ça. Je pense qu'on va jeter. Ça, on s'en fout. Je jette. Vous savez quoi? Je jetterai si jamais j'ai beaucoup de trucs. On va garder pour l'instant. Si je vois que c'est la derms. Elle est pas ouverte encore. Oh la vache, par contre, ça me pulvérise les yeux. Premier combat de notre bon vieux Typhlosion. Oh! Par contre, il a un flow. Je retire un peu ce que j'ai dit. Il a quand même un flow. On a du Cradopo ici. Niveau 20. Est-ce qu'on lui mettrait pas un petit châtiment? Un châtiment en style puissant, histoire de... Voilà. Ah, je sens qu'il est incroyable. Je sens qu'on va vivre une grande aventure, mon Typhlosion et moi. Bah tu vois, je retire un peu ce que j'ai dit, ça a quand même du flow, le Typhlosion version issue, là, version Smokers. Oh, il y a du Roselia. Ah, Roselia, on va lui mettre une petite vive attaque. Une autre en plus, je sais pas si ça la tue, mais... Non, ça la tue pas. Bon, c'est vrai que dans ce Pokémon, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Oh, ça va, Sénat. Il est arrivé, il nous emmerde déjà. Mais je trouve, c'est vrai que c'est assez extraordinaire dans ce Pokémon là. C'est la... Peu importe la différence de niveau, tu ne... Tu fais pas tant de... Enfin, je sais pas comment dire.
Mais là, Vive Attack, normalement, t'es niveau 40, tu vois ce que je veux dire? T'es censé lui fumer sa mère à niveau 19. Ça tue pas. Un petit dard venin. S'il te plaît, il faut que tu rentres. Faut que tu rentres dedans, Roselia. Je t'en prie, t'es que niveau 19, ferme-la. Faut revenir là où tu es, mais le jour, tu vas avoir un super Pokémon qui peut... Arrête. Là, à l'instant T, tu me dis que je peux avoir une dinguerie. Allez, on s'en va. On va évidemment remettre Typhlosion sur le droit chemin. Et on a de la popo. On va le remettre à l'aise. On le remet à l'aise, le man. Parfait. Bon, bah on attend que la faille s'ouvre. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Je vais checker s'il n'y a pas du Pokémon à droite à gauche. Si je vais dans l'eau, je clams. Pour l'instant, les pauvres. Il n'y a que de l'ectoplasma. On va se mettre sur un côté. On va attendre. Oh! Frère. Bon, la maniabilité, elle est cauchemardesque. Je suis très honnête. Ok. On attend que la faille s'ouvre. Ça va arriver. Le jeu est un peu plus dur que les Pokémon classiques. Même, enfin, beaucoup plus dur. On va pas non plus exagérer, mais... Ouais, il y a quand même une difficulté assez différente et je trouve ça très cool. J'ai une question. Quand les Pokémon... Enfin, les Pokémon comme Gravalanche, qui sont censés voler par échange, évoluent comment? Ben, j'avais déjà posé cette question. Et apparemment, il y a un item qui s'appelle le câble Link. Hein, la ref est totale, évidemment. Qu'on doit leur donner pour pouvoir les faire évoluer. Du coup, bah, c'est très bien. Pareil pour Kadabra, Alakazam, Ectoplasma, Grolem, enfin, tous ces Pokémon-là, Macogneur, il va falloir aller récupérer l'item. Donc je suis en waiting mode. Ouh, il y a un Apitrini ici que j'ai pas. On va revoir des Pokémon qui ne sont plus agressifs ou on peut aller se faire foutre. Voilà, Apitrini, on en avait pas. Il faut combien de temps pour que la faille de l'invocateur s'ouvre? Beaucoup de temps ou... Je voulais tester les mots GG, bah j'attends. Mais... Tes conseils Ronflex en stats, c'est un monstre, que ce soit attaque, défense, PV, c'est un tank. Tout à l'heure, il y en avait un dans la faille qu'on a eu tout à l'heure. Et j'ai pas eu l'occasion de le capturer comme un con, on est en train de faire des tours, comme des bouffons. Donc voilà. Là, on est en waiting, on attend que la faille se mette en place. Je sais pas combien de temps c'est censé mettre, mais voilà, pour l'instant ça prend un peu de temps. Regardez-moi ça. Allez, attends. Je sais qu'elle dure 5 minutes, vous me l'avez dit tout à l'heure. Par contre, une fois qu'elle a été annoncée, combien de temps il faut? Est-ce qu'il faut 5 minutes pour qu'elle s'ouvre totalement? Je sais pas. Mais faut penser à les récup à chaque fois, car le câble Link coûte cher. D'accord. C'est 10 minutes à partir du message. 10 minutes! Y a pas d'info. Quand tu fais les fights, ça supplante le temps. Ouais, vous me l'avez dit tout à l'heure aussi. Et heureusement, parce que sinon, ce serait catastrophique. Chaque fois, non, bah, tu vas foutre, dépêche-toi, fais tes combats, vite, vite, vite. Sinon, c'est mort. Le temps est variable. Ah ouais, mais c'est long, alors on va attendre ici, on attend de fumer une clope. Ah, c'est... Bah tiens, au moment où j'en parle. Ok. On va récupérer les tessons. Ok. Scarino, Mustéboué... Wow. Porygon de le retour. Putain gros, je mets quand même lance-flamme, hein. C'est fort, c'est stable et ça ne le tue pas. Enfin, je rendez-vous compte du bousin. Hein. J'envoie une hyperbole, j'ai pas envie de me faire chier. Les infos chat. Non mais tout. Quoi? Oh frérot. Reste dedans. Frérot. Donc là, j'imagine que le Pokémon rare de cette zone, c'est Porygon 2.
Ça me fait pas trop rêver, hein, pas mentir. Oh non, il va pas ressortir. Puis il a le temps d'attaquer deux fois. Il y a un moment, peut-être se calmer quoi. Stab, ça signifie quoi? En gros, c'est quand tu utilises une attaque du même type que ton Pokémon. Par exemple, lance-flamme, type feu. Enfin, c'est une attaque feu. Avec Typhlosion qui est type feu. Donc, stab, ça fait plus de dégâts en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est une attaque qui est stabée. Tout simplement. On va voir si on a de l'item en plus que. Qu'est-ce qu'on. Le câble Link, on peut le récupérer où d'ailleurs? C'est sur des trucs comme ça que ça se récupère, le câble Link? Ou rien à voir? Le Porygon. Tesson bleu, un Porygon normal, j'en ai déjà un. Ouais, Luxion. Porygon. Pas autre chose que des Porygons là. En termes de rêve, on est au minimum. Tesson rouge. Mais je peux aller dans l'eau en fait. Un autre Evoli. Tesson, Porygon. Tesson, Porygon. Ok, Tesson bleu. Poussière d'étoile, Tesson bleu. Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Est-ce que j'ai le droit de rêver un peu? Scarino, Pyroli, j'ai tout. Pas fou, hein? Je m'attendais à bien meilleur. Je m'attendais à rêver, je m'attendais à voyager. Et pour l'instant, je voyage nulle part. Hein. Bon. On va aller fumer sa mère. Ronflex, coup de langue, Alakazam, Etoraptor, Grolem, Ectoplasma. Ah ouais, belle équipe. Bah attends, tu me conseilles d'enlever mon Typhlosion? Tu te manques de moi? Je peux pas enlever mon Typhlosion. Coup de langue ou à la Kazam. C'est quand même très différent. Après, le coup de langue est bien énervé là. Et c'est un baron en plus donc forcément. Mais il y avait un à la Kazam baron aussi. On aurait pu faire. Ouais, wow, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce Pokémon? Lockpin. Très bien l'évolution de la forêt. Putain, je m'en souviens même pas. C'est bon, on l'a eu. Et après, on fuit, évidemment. On fuit comme des lâches. On s'amuse tes flottes dont on se bat les couilles. Et évidemment, le Vibraquoi qui a le temps de partir. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire, Mustéflotte? Oh, ok. Ah, si on vient de se refight. Ok, bah, je suis obligé de fight un petit peu. On en a que deux, Luxray. Ils veulent pas se casser. Ils veulent pas me donner des vrais Pokémon là qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ici, ça va pas spawn. Je crois qu'on a encore du Tesson. Un autre Porygon. Hein. Vas-y, on va le laver. Mais oui, je suis con. J'ai hésité, je me suis dit, attends, mais ça Porygon, il est normal. C'est nul ce que je fais là. Tu peux faire les fights au plus vite en déplaçant ton perso dans le combat. Oui, ça je sais, ouais. T'as juste à te casser et c'est bon. C'est juste que là, vu que j'étais en train de le capturer, c'est ça, changeait pas grand chose. Vas-y, on va en capturer un autre. Écoute, ça fait toujours des plus dans le Pokédex, donc on va pas. C'est un jeu de grind, un jeu de farming, donc faisons ça. Oh, j'avais pas vu du Bomat, merci beaucoup. Merci beaucoup, il y a 2 minutes pour ton deuxième mois. Merci aussi à Batman pour ton troisième mois. Des frérots.
Alors, eux qui apparaissent évidemment derrière, autant te dire, c'est vraiment le club des losers, on s'en branle. Toujours pas, toujours pas. Rien, rien. Rien, ils sont partis. Qui veut m'attaquer? Qui me parle? Ah oui! Poussière étoile, tesson bleu, morceau d'étoile, les fameux. J'essaye de tout récupérer. Hein. En fait, le plus important, j'ai l'impression que c'est même pas forcément les Pokémon, surtout les items en fait qui vont laisser là-dedans, de ce que vous m'avez dit. On va l'équipe. Hein, bon, comme il faut. Est-ce que c'est censé être rare d'ailleurs les failles ou ça spawn relativement souvent? Parce que là, c'est la deuxième depuis qu'on est en live. Ils sont pas dégueu. Oula. Tesson bleu. Tesson bleu. Pour l'instant, on est sur du full tesson. On est en sortie de barre. Oh, c'est fini. C'est la fin. Ça y est, c'est fini. C'est terminado. Ciao, belli bella. Ciao. C'est terminé. Au revoir, comme disent les jeunes. Enfin, comme dit tout le monde en fait. Comme disait les jeunes. Truc de fou de dire au revoir. Bah très bien. Repartons sur la quête. La quête est vraiment rien à voir across the map. Puisque on doit aller au-dessus. Voilà. À 500 mètres. Et là il va falloir monter. Est-ce qu'on va essayer de se choper un petit corbos au passage? J'ai bien fait d'améliorer mon inventaire, hein, cela dit, parce que vous avez pu voir que c'est dingus. Donc ouais, c'est bien par là, et évidemment, je dois refaire le tour comme un gros sac. Je peux pas monter par là. Ah, mais attends. Est-ce qu'il n'y a pas un monde? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où lui, il monte là? Mais putain! Qui m'a foutu un cerf pareil? Ouais, bien ça, bien. Bien, la chèvre de Monsieur Seguin. Ok, très bien. Je passe par là. Ok, par là. Est-ce que je peux remonter ailleurs? Ce serait dingue si j'arrive à le faire comme ça. Si j'arrive à écrire l'histoire un petit peu. Quoi. Pour l'instant, on n'écrit pas grand chose. Hein. Je peux pas monter par là. Il n'y a pas des endroits pour monter, sérieusement. J'ai dû faire tout le tour là. Putain. Salut. Prends ton menton aussi. J'avais dit que là. J'écris l'histoire. Mec, par contre, je déconne pas que je suis trop fort. Merde, déconne. Je suis un dieu. Ok, ma méthode. C'est bon, allez, rodé. C'est par ici. Je le saurai pour la prochaine fois. J'ai pas écrit grand chose, j'ai essayé. Voilà. C'est vrai que là, j'ai écrit mon échec. Très très vite cette fois-ci. Là on a de quoi monter. Oh bah on y est. Putain, on allait super vite la vache. Flagy lady, c'est parti. Ok, je suis bouillantissime. Ouais, mais finalement ses actions étaient guidées par une noble intention. Oui, oui, Martial a voulu le faire toute seule, elle a cru que c'était une héroïne. Tu n'as rien du tout, la reine du col, Frégilady se déplace comme une danseuse, elle est toujours en mouvement, je te conseille de bien fixer ton regard sur elle pour savoir quand l'esquiver. Ok, merci. J'ai pas besoin de conseils en fait. J'ai absolument pas besoin de conseils parce que je suis juste le meilleur. Quoi. Faille, 5 minutes égale 10%, 10 minutes égale 20%, 15 minutes égale 20%. Attends, de quoi? On est moins de 40 minutes, 35 minutes. De quoi tu parles, Padine? Ça peut durer de des timings différents. Ah, c'est le pourcentage d'avoir une faille. Non, le taux de pop. Attends, mais le taux de pop de quoi? Quand t'es sur une zone, t'as 35% de chance. Ah, d'accord. D'avoir une faille au bout de 45 minutes. De 40 minutes, pardon. Ouais, j'avais pas compris ça comme ça. La reine du col, du fémur. Frégilady.
Là, on va devoir lui casser la gueule. Une esquive, d'accord. On évite de subir des dégâts, bien sûr. Oui, ok. Pardon ? T'es nul. Hop, voilà, hop, hop, je la barre. Pardon ? En fait, t'as pas besoin de t'esquiver. C'est toi touché. Mais gros, comment elle me touche par contre ? Mais j'ai de la vie ou quoi ? Non. Pas besoin en fait, pas besoin d'esquiver. La pulvérise, elle est à chier. Évidemment. Elle est à chier. Elle est à chier. J'aime bien jouer avec le karma un petit peu. Évidemment. Je suis un monstre. Une bouffonne. Une bouffonne, tiens, mon camère. Mon camère. Et voilà, c'était extrêmement simple. Oh, j'aime bien en vrai la Frigie Lady là comme ça, elle est quand même stylée. Elle a une belle gueule, écoute. Et maintenant, je suppose qu'on va devoir lui casser la gueule ou pas? Pas besoin? Ah ouais? Bah, HC4, on avait dû lui enlever de la vie à un moment, on avait dû le fracasser. Fragile Lady vous offre la plaque herbe. Merci pour la plaque herbe en tout cas. Non seulement t'as apaisé Fragile Lady, mais t'as aussi sauvé Marcia, merci. D'abord Ursa King, et maintenant Fragile Lady, mais décidément tu es incroyable. Fragile Lady est quand même bien plus élégante quand elle est au calme. Enfin, quand elle est calme quoi. Marcia, tu dois pas t'excuser à quelqu'un par hasard? Ouais, ouais, tu vois pas d'excuses. Inutile d'en faire tout un foin. C'est la fougue de la jeunesse. À son âge, on manque de vigilance, c'est normal. Je me souviens des mots gravés sur le mur des ruines Bon Vivre. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. C'est beau ce que tu dis. Nul doute qu'il s'agit là des sages paroles du grand Sino. Évidemment, ouais, évidemment. La Gena, on n'oubliera pas ce que t'as fait pour nous. Ah, vous pouvez, si vous pouviez ne pas oublier ce que moi j'ai fait, surtout parce qu'en fait, je viens de sauver Fragile Lady. Je crois que la Gaina a tout dit. J'ai plus de raison de me mettre en colère. C'était important d'essayer de faire ce qui est juste, mais ça sert à rien de me cacher la vérité. Évidemment, avec ma coupe de cheveux, ça suffit la reproche. Je t'aime bien comme tu es. Enfin, faut quand même que tu t'entraînes un peu plus. Comme ça, tu seras prête si jamais il arrive quoi que ce soit à Fragile Lady. Avec son sourcil, j'avais pas vu. C'est Pascal Obispo, en fait, le man. Entendu. Allez, dorénavant, nous protégerons le marais ensemble. Le marais en a marre. Ça marche, bah aucun souci, bah de rien, y a pas de problème, on s'est très bien entendu. Je suis le chef du clan Diamant et je vénère le grand Sino qui contrôle le temps apporte un changement perpétuel, mais je dois pas laisser ça me faire peur. Faut juste que je fasse de mon mieux pour améliorer l'époque dans laquelle on vit. Exactement, monsieur, et pour ça j'ai l'impression que j'ai tout à gagner à vous aider, toi et ton groupe. Bon, je te laisse à la prochaine. Allez, ciao, bella, ciao. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver, à toi qui es si gentil d'habitude? Mais qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Ça te ressemble pas d'être enragé. Mais au fond, c'est aussi un peu de ma faute. J'ai pas su te protéger et j'ai menti à mes amis. Abusé. Didi. Putain. Eh bien, mesdames et messieurs,
on a bouffé le cul de Frigilady. Et ça s'est extrêmement bien passé, encore une fois. Non, la joie et la bonne humeur. On a un truc à faire ici ou pas? Un truc particulier, non? Je sais pas si ça servira à quelque chose plus tard ou pas. Parce que le jeu est très mystérieux, évidemment. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas le corbos ici où il y a trop de monde? Je pose encore la question. Je crois qu'il était dans le coin. Je dis pas de conneries. Attends, mais il n'y a plus personne. Et là, c'est vide. Non, mais s'il y a un Pokémon, le jeu explose ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Plus de Pokémon. Interdit. C'est terminé les Pokémon, ok? Ça vient d'où, de qu'est-ce que tu caches derrière ce son? Ah, mais vous avez pas vu le même avec le bœuf? Franck le bœuf sur Cœur du Mois, je sais pas pourquoi il a fait une vidéo facecam et il parle à Cœur du Mois et il fait la vidéo en anglais et en français. Il fait non mais ça va pas, t'as pété un plomb, qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? C'était tellement ridicule que ça a été repris de fou sur Twitter et ils en ont fait un mème avec Franck le bœuf, mais vraiment ils ont le mème est incroyable. Merci Gastou, bah, à très bientôt. Bah, moi je vais pas tarder aussi. En vrai, là on a fait quand même une grosse partie. C'était vraiment très très cool. Le jeu est vraiment agréable. J'aime bien le jeudi comme ça, c'est très chill sur Pokémon à chaque fois. On se met très bien. Alors attendez, on doit retourner. Vous savez quoi? On va retourner au bivouac du marais. Tranquillement. Alors, j'ai vu une lumière s'élever vers la faille spatio-temporelle. Tu as encore apaisé un monarque? Exactement, c'est vrai que j'ai apaisé les monarques. Reste que toi que tu les affrontes sans crainte. Ton courage m'impressionne. Mais que se cache-t-il encore une fois derrière ton sourire? N'oubliez pas un bon anniversaire, d'accord? À bientôt. Mais merci. Merci frérot. Enfin frérot, tu écris. Bah écoutez, on peut littéralement. Bah vous savez quoi? On va sauvegarder là. On va se reposer. Non, on n'a pas besoin de se reposer, on s'en fout puisqu'on va retourner en ville. Mais on va sauvegarder là. Pour la simple et bonne raison qu'au moins la prochaine fois, quand on va reprendre la semaine prochaine, je saurai où c'est qu'on en est. Et ça, ce sera beau. Ça sauvegarde, la partie est sauvegardée, mesdames et messieurs, c'est magnifique, il est 21h, et bien moi, je vais vous laisser ici, tout simplement, je voulais faire ce petit live tranquillement sur ce Pokémon Day, hein, comme d'habitude, hop, on passe là. Et c'était très cool, on a passé un agréable moment. Merci à tous d'avoir suivi ce live Pokémon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous les subs, Eric Sub, encore une fois.